Dans son prologue sur le développement, disait, je cite, « Le développement n'est pas la convergence des opinions vers un idéal commun, mais plutôt la convergence des divergences construites autour d'un consensus économique qui se veuille pragmatique et programmatique. » Fin de citation. Excellence, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres, fonctions, etc. des respectifs, bienvenue à cette cérémonie. C'est un honneur d'ailleurs de vous accueillir dans cette somptueuse salle des banquets du Djeuga Palace à l'occasion de la cérémonie dédicace du livre du docteur Eric Essoussé intitulé « Pratique des fondamentaux du développement optimal par l'Afrique ». De l'afro-pessimisme à l'afro-optimisme. Le programme appelle donc les articulations ci-après. Tout à l'heure, vous entendrez le mot de bienvenue du directeur général des éditions Éclosion. Et juste après, nous aurons le mot de l'auteur, Dr Eric Essoussé. Après, la note de lecture par le professeur Ibrahim Mouchier, qu'on ne présente plus. Par la suite, le commentaire sur l'ouvrage par le professeur Inam Dikoy, secrétaire exécutif du CEDO-DOLA, et le mot du préfacier, le professeur Isaac Tamba. Ensuite, un intermède musical. Nous continuerons avec la présentation du sous-thème « Environnement favorisant l'innovation et l'exclusion des jeunes entrepreneurs en Afrique ». Par Nana Konchou. Ensuite, les enjeux et rôles du patronat dans le développement économique en Afrique. Par le représentant de l'ECAM. Nous poursuivrons donc avec un autre sous-thème, entrepreneuriat féminin et Made in Cameroun. Impact sur le développement de l'Afrique. Par Célestine Abiba. Nous poursuivons avec la session de questions-réponses et juste ensuite un intermède musical et la dédicace. Enfin, nous sortirons avec une photo de famille et un cocktail sur invitation. Mesdames et messieurs, si vous en avez convenance, à présent, mesdames et messieurs, j'invite ici une estrade de monsieur Léno Armstrong dans le cadre de la lecture de l'autorisation de manifestation publique. Distingués invités, mesdames et messieurs, récépissé de déclaration de manifestation publique numéro 406/RDMB/JO6-01/SP. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er certifie que Madame Christelle Noah, directeur général de la maison d'édition Éclosion, a déclaré dans ses services l'organisation d'une manifestation publique prévue le mercredi 22 décembre 2021 à partir de 15 h à l'hôtel Djeuga Palace de Yaoundé. Objet. Cérémonie de dédicace du livre intitulé « Pratique des fondamentaux du développement optimal par l'Afrique, de l'afro-pessimisme à l'afro-optimisme ». Conformément aux dispositions de la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et des manifestations publiques, Madame Christelle Noah s'engage à agir dans le strict respect de l'ordre public, des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 et à répondre de tout incident qui pourrait y survenir. En outre, l'intéressé ne changera ni la date, ni le lieu, ni l'objet de la déclaration du présent récépissé. Toutefois, si l'activité projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public, elle sera à défaut d'être délocalisée, purement et simplement interdite. En foi de quoi le présent récépissé est déclaré pour servir et valoir ce que le droit fait à Yaoundé le 20 décembre 2021 par M. Gandui, administrateur civil principal. Je vous remercie. Merci, mesdames et messieurs, excellences. À présent, nous allons donc passer dans le clou même de notre activité de cet après-midi. Évidemment, il ne me reste plus qu'à passer le micro à notre cher aîné, Aimé Bina, pour la suite de la cérémonie. Je vous remercie. Merci. Distingués invités, éminentes personnalités, il nous est particulièrement agréable de vous souhaiter la bienvenue une fois de plus dans cette salle emplissée du Djeuga Palace pour ce banquet intellectuel avec au menu un ouvrage savoureux du docteur Eric Essoussé à consommer goulûment et à digérer résolument. Le titre constitue à lui seul un socle programmatique, pratique et fondamentaux du développement optimal par l'Afrique de l'afro-pessimisme à l'afro-optimisme. Une somme monumentale, 765 pages, pas moins. On réalise donc que le docteur Eric Essoussé ne se tourne au point des pouces entre deux cycles électoraux, entre deux sessions du Conseil électoral, entre l'ouverture et la clôture de la révision des listes électorales, entre les vraies et fausses polémiques sur le bulletin unique. Monsieur Essoussé, nourri à la sève des Saintes Écritures, travaille, réfléchit et produit dans un champ qui dépasse largement l'horizon des regards, avec à la clé une offre à bousculer les certitudes et à faire sortir de la zone de confort les meilleurs économistes africains. Les plus de 1,2 milliard d'Africains doivent se le tenir pour dire nous ne ferons pas l'économie d'un programme d'ajustement culturel si nous voulons sortir du tunnel sans fin des programmes d'ajustement structurel qui génère parfois des désillusions, souvent des croissances sans développement et toujours un mouvement de balancier entre bon et moins bon. Le moment est venu, ici et maintenant, de se saisir de la recette du docteur Essoussé pour une pratique des fondamentaux du développement optimal par l'Afrique, de l'afro-pessimisme à l'afro-optimisme. Bienvenue une fois de plus, mesdames et messieurs, à ce rap intellectuel, vous serez bien servis. Je m'avais donc, sans plus attendre, introduit l'éditeur de l'ouvrage, Madame Christelle Noah, directeur général des éditions Éclosion. Vous avez la parole, Madame. Excellences, Monsieur les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les responsables de l'administration, Mesdames et Messieurs en bon rang et grade, qualité et respectifs, veuillez recevoir mes salutations. Je vais un peu aller en dehors du discours de mon directeur de la communication et je crois qu'il est déjà habitué. Pour déjà vous remercier pour votre présence. Nous sommes très honorés, la maison d'édition, nous sommes très honorés de nous recevoir ce soir. Et nous dit sentez-vous à l'aise parmi nous. Bon, je reviens dans le discours. Le groupe Éclosion est heureux de vous compter parmi les invités. Et nous tenons tout d'abord à remercier M. Eric Essoussé pour son choix de se faire éditer à Éclosion, jeune maison d'édition qui existe depuis 3 ans. Nous sommes très touchés parce que c'est un monsieur qui a toujours édité à l'extérieur. Il a eu à voir nos travaux et il a décidé de nous faire confiance Nous remercions M. Essoussé. Est-ce que vous pouvez applaudir pour lui? Parce que c'est rare de voir des données qui font confiance, mais qu'on fait parmi ceux qui nous font confiance et nous disons merci. De faire enfin confiance aux jeunes, de faire enfin confiance à l'Afrique pour le développement. Ça, c'est une très grande preuve. Déjà édité dans une maison d'édition camerounaise. Nous vous remercions, monsieur Eric Essoussé, d'encourager la jeunesse et de faire confiance. Ensuite, nous remercions tous nos auteurs qui jusqu'ici nous ont fait confiance et qui encouragent le travail que nous faisons. Je vais profiter de l'occasion pour remercier M. Nana Konchou, qui est un de nos premiers auteurs à Éclosion, qui a écrit un livre sur le management, que je vous encourage d'ailleurs à découvrir. Je vais remercier M. Binamikoy qui est parmi nous, et je vais remercier ceux qui, après cet événement, vont encore nous accompagner et qui vont venir éditer chez nous. Nous vous remercions. Éclosion est disponible à accompagner la jeunesse. Éclosion est disponible à accompagner les jeunes auteurs. Éclosion est disponible à accompagner les auteurs dans ce qui est bien, dans ce qui est bien fait et dans ce qui est fait à temps. Donc, merci déjà à tous ces auteurs. Merci à M. le maire Sylvestre Bédidy. Merci à M. Toutagbé. Je ne peux pas citer parce qu'ils sont tellement nombreux, ceux qui nous font confiance. Merci à vous tous. Et nous venons à découvrir Éclosion, à découvrir ce que nous faisons. Ce sont de très belles choses. Il y a beaucoup de choses en perspective. Nous avons un prix littéraire, je profite. Et vous êtes encore tous invités le 11 février 2022 pour la remise du prix littéraire purement africain lancé par la maison d'édition Éclosion. Le 11 février 2022, je crois qu'il y aura plus d'informations. Mon communicateur va relayer l'information. Sur ce, merci beaucoup et joyeux Noël et bonne fête de début d'année. Merci à vous tous et sentez-vous à l'aise. Merci. On va de fraîcheur et forcément d'afro-optimisme. Sans plus attendre, nous allons introduire l'auteur de l'ouvrage. L'ouvrage est là, nous le tenons, nous le lisons, nous le lirons, mais il n'y a pas mieux que d'écouter l'auteur lui-même, monsieur le directeur général. Nous sommes tout de suite. Je vous salue tous qui êtes venus nombreux à ce festin du beau savoir. Je tiens ce terme du beau savoir d'une expression du président Macky Sall, qui a fait une nouvelle ville à 60 km de Dakar, où il est en train de créer un nouveau pôle pour le nouveau Dakar. Et il a fait tout un arrondissement pour la science. Et il a donné, n'est-ce pas, là-dedans, il a créé donc tout un arrondissement pour le beau savoir. Et moi aussi, j'aime le beau savoir. Alors, je pense que ce soir, je voudrais d'abord aussi saluer beaucoup d'amis et de grands frères qui m'ont initié dans ce que je suis devenu. Parce que la vie, c'est l'héritage. Comme nous sommes aussi en train d'en passer à nos jeunes frères, à nos enfants. Et l'un des grands frères qui m'ont initié, c'est le professeur Jean-Ménet, qui est là présent, que vous savez, un grand savant, et que j'aimerais que vous applaudissiez pour lui. Oui, parce que les Africains doivent comprendre une fois définitivement que c'est le savoir qui commande le monde. Et pour cela, nous devons cesser de dénigrer notre propre savoir qui est beaucoup et ceux qui le portent. Et le professeur Ndombele est l'un de ceux-là au Cameroun et en Afrique. Quand moi j'étais encore au collège, il a son livre qui est devenu un best-seller, de la médiocrité à l'excellence. Moi, je suis arrivé à la perfection bien après lui, vous voyez. Jusqu'à présent encore, je m'abreuve à son savoir, et c'est ça l'humilité du savoir. Le savoir, c'est de savoir qu'on ne sait pas toujours, et il faut toujours s'abreuver auprès de ceux qui ont ce savoir, et même de tous les autres. Mes collaborateurs savent que j'apprends beaucoup d'eux. Ils savent ça que moi, j'aime le travail d'équipe. Donc, ce qui m'a amené à l'écriture, c'est que très jeune, Mon père était pasteur qui m'a initié à la lecture. Ouais, c'est tout l'héritage. Quand mon père sortait à Douala, il trouvait qu'il était un peu dissipé, toujours à l'école primaire, mais moins au collège, parce que j'ai compris qu'il faut se concentrer. Alors quand il sortait, il me laissait le genre qu'on appelle à l'époque la presse du Cameroun, qui est devenue Cameroun Angel. J'ai même écrit sur la presse, sur la presse, comme chef de la censure pendant 15 ans, mais j'ai écrit sur la presse comme intellectuel, pas comme censeur. Et mon père m'a laissé dans la. Et mon ami Bédidy qui est là, mais que je ne censurais pas, mais il était dans la politique. Il était après moi, c'était un ami de 40 ans, et on a beaucoup débattu. Donc mon père me laissait dans la presse du Cameroun de l'époque, qui était un journal colonial, qui est né en 1927, qui est devenu la presse du Cameroun. Et donc il me laissait dans un exemplaire pour que je dise quand il va revenir, je vais lui faire le résumé. Quand il sortait, je partais jouer. Dès que je l'entendais venir, je courais pour m'asseoir. Mais il savait que si je m'assieds, il faut que je lui dise ce que j'aime. Alors, il trouvait qu'au début, bon, j'essayais de lui dire des choses qu'il ne comprenait pas, parce que lui, il lisait beaucoup. Et quand il dit, mais tu sais que hier, quand je disais ça, c'est parce qu'on a. Ah oui, c'est vrai. Alors, je dis que. Donc, j'ai compris que je dois me renoncer. Donc, quand il me donnait un. Je prenais un temps pour lire, un temps pour jouer. Et finalement, je suis devenu un grand lecteur. Donc, ce que j'ai vu dans mes livres, en fait, c'est des choses que j'ai glanées depuis de longues années. Et puis, donc, qui font qu'à un moment donné, j'ai pu commencer à écrire. Je vous remercie le professeur Ndan, un grand professeur de médecine qui était DG de l'hôpital général pendant de longues années, qui vient d'ailleurs de sortir un livre. Et c'est quand on était des élèves, c'était un de mes concurrents par rival, parce que nous avons l'émulation. Alors, du coup, on a parlé quelque chose sur le professeur Ndan. Qui est un grand scientifique, qui, quand moi j'étais un grand littéraire, alors quand les professeurs vendaient les notes, on commençait par Essoussé, Mandé, Olivier et d'autres. Mais un jour, on commence par professeur d'artiste, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne marche pas. On le lit avant qu'on me dise. C'était un scandale dans notre classe. On dit, mais comment tu as fait pour nous déporter, mon chef, toi, tu es dans le centre, tu as fait comment? Comme on dit que nos chefs, Mamadou et Benita, ils se venaient dans les fondamentaux de l'écriture. Vous voyez, Mamadou et Benita, vous voyez, alors qu'on était en seconde. Vous voyez, c'est ça, prochaine là. Je regarde aussi maintenant, bon, maintenant en progressant, j'ai trouvé aussi mon ami, le président Djeuga, président Léno, avec qui est un frère. C'est pour ça qu'il est quand même bien, parce que nous sommes tous des gens qui sont dans l'esprit, pas dans la matière, comme on comprenait tout à l'heure. Merci, président. Alors, bien sûr, la vice-présidente, que je ne connaissais pas maintenant, nous formons une famille spirituelle plus qu'une famille matérielle. C'est pour ça qu'il est capable de bien. Mais nous ne sommes pas là pour parler de la connaissance. Donc, c'est donc ce que nous sommes là pour le beau savoir. Et je voulais dire ce que je vais conclure à la fin. Pour dire ceci, que le développement, ce n'est pas une question d'argent d'abord. C'est une question de connaissance. Je vous le dis aujourd'hui parce que j'ai fait le parcours initiatique pour arriver à cela. Pourquoi? Quand j'ai fini, comme je disais beaucoup, je disais plein de choses, là, comme d'ailleurs que j'écris dans mes livres, alors que j'ai lu ça il y a longtemps. Quand je suis arrivé à Paris en 1977, pour mon doctorat, j'avais ma licence en histoire. Vous savez, à l'époque, même aujourd'hui, quand on va chez en Occident, on estime qu'on va dans un endroit de bonne qualité de vie, de tout ce qu'on voit à la télé. À l'époque, il n'y avait pas la télé. J'arrive à Paris en 1977, en mois de septembre, début septembre, j'ai vu la date dans mon esprit. Quand je suis sur le ciel de Paris, je suis surpris de voir ce qui est en bas. Les champs sont tracés. Pour un Africain qui arrive de l'avion d'abord qui est en haut, tu vois comment les gens sont tracés, il n'y a rien qui entrave ta vue. Tu vois les maisons qui sont éloignées. Quand je descends, c'était à l'époque Henri, en 1977, c'est après que Charles de Gaulle est arrivé. Je suis impressionné. Bon, maintenant encore, quand je prends le bus, les maisons sont éloignées, les belles routes. Mais vous savez, c'est comme on dit, c'est le diable à Paris, c'est la vérité. Le diable à Paris, on est émerveillé. En plus, tu prends le métro, le sous-sol. Ah, ça c'est compliqué pour le petit nègre qui sort d'Afrique, mais il réveille toujours. Quand je sors du métro, j'arrive, je vois les blancs alliés dans les restaurants, ils sont donc des papas bien rouges, mais vraiment genre, je dis, c'est pas possible. J'arrive et puis je suis amené à Paris par le 7e, donc le grand quartier. Vous voyez, donc tout cela m'a fait réfléchir beaucoup. Je me suis posé la question dès le premier jour, pourquoi certains pays sont avancés et pas d'autres. Et ce qui m'a surpris, c'est que les blancs même ne savent plus expliquer pourquoi ils sont forts. Ils nous donnent la science factuelle. La science, n'est-ce pas, tu es ingénieur, c'est bien, tu peux faire certaines choses. Mais pourquoi est-ce que nous, malgré ingénieurs, docteurs, on ne fait pas comme eux? C'est ça que là, je me suis posé la question. Donc j'ai fait 5 ans à la Sorbonne, j'ai fini mon doctorat, mon professeur, un des professeurs blancs, qui m'avait reçu quand j'ai... C'est lui qui m'a tenu pendant 5 ans, et qui m'a dit, et qui m'a formé. Puis même moi, en dans nos discussions, il n'a pas pu me dire pourquoi les blancs nous défendent. C'est vrai que nos discussions n'étendaient pas vers ça. Moi, j'étais préoccupé de faire mes études. Curieusement, c'est quand je rentre au Cameroun, c'est quand je rentre au Cameroun que je commence à comprendre pourquoi est-ce que certains pays sont avancés. Donc, il ne s'est pas qu'ils m'ont expliqué. J'ai trouvé ça moi-même. Et vous savez comment? Non. Voilà, je vais vous dire, en lisant la Bible. C'est pour cela que je considère, depuis que je l'ai observé, que mon frère, pasteur Médi, j'ai écouté ses prédications qui m'ont beaucoup aidé à commencer à voir certaines choses qui m'ont discipliné, qui m'ont rendu existentiel lié à la famille, à la carrière professionnelle. Et je suis surpris, en lisant ce livre, comme un roman, progressivement, à partir de 90, qui se déroule une rigueur que moi, docteur de la Sorbonne, je n'avais pas. J'ai dit, je vois comment le créateur déroule son projet avec précision, avec conviction, avec, n'est-ce pas, lumière. Parce que la Bible a ceci de précis. Et même Jésus a pour le Coran, hein, parce que tous les systèmes, c'est ce qui est le sens de la Bible. Alors, ce que j'avais comme docteur de la Sorbonne, quand je lis la Bible m'apporte des compléments que je n'avais pas avant. Même si je les avais, ils étaient vraiment assez timides. Et je découvre donc une rigueur, qui est une rigueur rationnelle, une rigueur intellectuelle, une rigueur pour. C'est ça. Donc, ça m'a. Avant que je termine l'Ancien Testament, qui est le livre du judaïsme, j'ai la réponse moi-même, sans que personne ne dit. Ah, l'Occident est passé par Dieu. Même si je dis l'Occident a laissé Dieu à tort, c'est ça. Mais pas parce que l'Occident est plus fort que les autres. Parce que la citation est judéo-chrétienne. Si c'est judéo-chrétien, ça ne veut pas dire que c'est la culture. Puisque c'est des humains. Avant, ils étaient des prophètes comme tout le monde, des païens comme tout le monde. Mais comment c'est fait qu'au XVe siècle, au XVIe siècle, ils attrapent cette religion qui leur apporte l'ouverture et la lumière. Parce que le Créateur, en passant dans le monde, c'est lui qui commande le monde jusqu'aujourd'hui. Nous devons le comprendre. C'est pour ça que tout le monde se réfère à une religion. Et en même temps, donc, quand je commence à comprendre cela, alors je comprends, ça m'amène à comprendre progressivement que ce que j'ai vu en Occident, ce que j'ai vu dans les livres, surtout quand je connais la littérature, ça tous ces grands auteurs, mais ils sont inspirés divinement. Parce que tous ces gars-là qui ont dit des vérités éternelles, et même avant que les Platon, tout cela, c'est toujours des trucs qui travaillaient, surtout que ça a commencé à l'Égypte antique. Donc, la connaissance m'a mené à comprendre que la Bible m'a donné une rigueur intellectuelle, une rigueur spirituelle, une rigueur rationnelle, une rigueur d'analyse. Donc, en évaluant ma connaissance, les docteurs de la Sorbonne mentionnent très bien, ma connaissance était 40%. C'est pour ça qu'on est sous-développé. Oui, le sous-développement, c'est parce qu'on ne connaît pas par où il faut passer pour être développé. Donc, la question du développement est une question complexe pour tous les peuples du monde, pas les Africains. Et tous les peuples du monde ont connu les mêmes états que nous avons aujourd'hui. L'Occident avant nous, l'Asie, l'Océanie, c'est la même chose. L'homme est le même, il n'y a pas deux hommes. Puisque la connaissance a commencé en Afrique, l'Égypte antique, c'est chose que je ne connaissais pas avant, docteur de la Sorbonne. C'est quand j'ai lu la Bible que l'esprit m'a montré que hey, ce qui commande le monde, c'est la connaissance. Et ce qui est le moteur de la vie, c'est l'esprit. Ce n'est pas la matière, le corps. L'homme a la dualité. Il est Donc, c'est chef et esprit. Et ce qui commence, c'est l'esprit. Or, l'esprit, c'est l'esprit qui te permet de sortir de toi pour aller faire les choses. Donc, les peuples sont développés, sont des peuples qui sont encore au niveau de la matière. Parce que pour dominer la matière, il faut sortir de la matière par la connaissance. Et la Bible est un niveau de formation de la connaissance. Quand on sait c'est quoi, c'est le niveau des religions. Parce que même les pasteurs l'expliquent mal. Et c'est ça qui m'a amené. Quand j'ai compris le Bible, tiens, si la Bible c'est un livre de connaissance, il faut que j'explore le Coran. J'ai exploré le Coran. Même s'ils sont restés dans la chaîne alliance. J'ai exploré le bouddhisme. J'ai exploré l'hindouisme. J'ai exploré le zoroastrisme qui est la religion de l'Iran antique. J'ai exploré les dieux égyptiens. C'est la même chose. J'ai exploré l'animisme qui est une religion que les Blancs nous ont fait croire. Non, c'est la même chose. Chaque fois que vous trouvez dans un système, on parle de l'intelligence, de la sagesse, de la perfection, de la lumière. Ça, c'est Dieu. Maintenant, vous pouvez compléter ça par où vous voulez. C'est ça dont il m'a mené à comprendre finalement, à tisser, n'est-ce pas, le lien pour le développement. Puisque la Bible, qui est le livre central de la vie jusqu'à aujourd'hui, ça ne peut pas changer. D'abord, c'est un livre qui est vendu à plus de 7 milliards, c'est ça, 7 milliards d'exemplaires. Quel est le livre qui peut se vendre? Chacun de nous, même s'il est fort, s'il a vendu même aux 100 000 exemplaires, il a trop fait. Donc, Dieu a conservé la primauté de la puissance dans le monde des humains. Donc c'est pour cela que ayant donc compris ce sens de la vie, ce sens de la connaissance, j'ai commencé à comprendre donc il y a des fondamentaux éternels et centraux. Quand tu as ces fondamentaux, tu es développé, tu n'as pas besoin d'un décret de blanc ou de bout ou de ancêtres. Tu es développé. C'est ça le développement. Mais pourquoi dans l'afro-pessimisme dans la vie, pas des Africains, ou pourquoi dans le pessimisme dans la vie des humains? Et maintenant l'afro-pessimisme. Mais parce que tant que tu es ignorant, tu ne connais pas ce que tu vaux, ce que tu es, quels sont tes droits, quel est ton destin, c'est normal que tu es pessimiste. Tu te réveilles le matin, tu ne sais pas ce que tu vas manger, tu ne sais pas comment tu vas te soigner, tu ne sais pas. Ce qui fait donc le pessimisme qui est la situation défavorable, qui est le mauvais aspect de la vie, vient de l'ignorance. Ce n'est pas une question d'argent. Donc, le pessimisme a commencé chez tous les peuples du monde. L'Occident, avant de faire ce qui était dans le pessimisme, le professeur Tabou Mangala écrit un très bon livre sur ça, sur les variations, etc. Il a démontré de manière claire comment l'Occident a souffert. Et nous-mêmes, on l'a vu dans les livres d'histoire, la peste, les calamités, la faim, les guerres. Tout ce que nous vivons encore, ils ont vécu ça en grandeur nature. Donc tout c'est dans la connaissance. Donc là j'ai entendu ce livre qui, étant docteur de la Sorbonne, je n'avais pas cette vision systémique et systématique de la vie. Et quand je parle de la Bible, je ne parle pas comme les équipes de réveil qui crient à tort et à travers des choses qui ne sont même pas vraies. Je parle de la vie comme un intellectuel qui a, et je refuse les discussions doctrinales qui souvent dispersent les gens. Dieu a dit quoi? Si tu fais ceci, tu as cela. Je les ai déjà le résultat. Donc, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne m'expliquer. Donc, ce qui fait donc qu'il y a dans les valeurs centrales qui commandent le monde. C'est ça de socle, c'est ce que j'appelais dans mon premier livre, système de référence. Quand tu arrives là-bas, c'est une question de blanc, de jaune, de noir, c'est une question de connaissance. Alors, ces fondamentaux, c'est quoi? Première chose, c'est Dieu lui-même. Oui. C'est Dieu lui-même qui est la première valeur fondamentale parfaite. Parce qu'en fait, Dieu fait quoi? C'est une idée. Il dit que moi j'ai créé l'homme. Si l'homme veut réussir, qu'il imite cette idée que je lui donne. Parce que c'est moi le dépositaire, comme on dit chez nous. Je ne dis pas, la propriété intellectuelle, c'est ça. Voilà. Je suis le dépositaire de cela. Si vous prenez cela, vous êtes aussi créateur et vous êtes des dieux comme moi-même. Parce que c'est ça dans la dualité de l'homme. Si vous prenez cela, vous êtes des dieux, parce que vous portez en vous l'esprit divin de perfection. Valeur fondamentale parfaite. La perfection existe dans ce monde, c'est un réseau. Si tu n'es pas dans ce réseau, tu vas te dire qu'il n'y a pas de perfection. C'est faux, elle existe. Oui, puisque c'est ça. Le créateur dit que moi, je dis que ce soit parfait. Mais si tu ne veux pas faire, fais comme ça. Ça veut dire quoi? Donc Dieu, la première valeur parfaite. Vous savez quelle est la deuxième? Aux valeurs parfaites. Vous savez? Vous avez de l'argent. Non, c'est bon. Le partenaire de Dieu. Dites que vous êtes mon partenaire immédiat. Donc, Dieu dit que même, vous voulez que je vive seul? Non, je vous ai créé pour vous ensemble. Mais ce qui nous pose problème, c'est que la chair nous maintient dans le monde de la parole. Il y a aussi très beau. Les beaux arbres, la belle eau, hein, les belles créatures, les belles femmes, beaucoup de choses, les beaux hommes, c'est dans les deux côtés, bien sûr. Donc toutes ces choses font que si tu ne fais pas attention, ça te distrait. Pourtant c'est beau. Donc ces fondamentaux sont donc Dieu, l'homme, deuxième valeur parfaite. Puisque Dieu a dit, j'ai mis la perfection en toi, mais il faut activer cela comme nous activons nos téléphones, nos radios, tout ce que nous faisons. En fait, l'homme transmet dans la matière ce qu'il est. Et alors, pour se développer, c'est l'homme d'abord lui-même. Ce n'est pas la matière ne parle pas. L'homme qui nous fascine tant, il ne parle pas. Et je vais vous dire, pour mettre la couleur ici, très belle couleur, l'éditeur m'a proposé deux couleurs. La couleur blanche et la couleur bleue. Moi j'aime la couleur blanche parce que c'est la première couleur que l'Esprit Saint m'a donnée. Ceux qui sont saints aiment le blanc parce que c'est la pureté du cœur. Alors quand je n'étais pas acheté, au Cameroun, je n'ai pas WhatsApp. Alors j'ai pris la couleur qui est dans les immeubles, la couleur or. Mais parce que pourquoi? Parce que la Bible dit que l'or est la plus grande valeur dans le système divin. L'une des plus grandes valeurs. L'or. C'est la Bible qui m'a encore montré ça, c'est pas les hommes. Vous voyez, c'est ça. Donc, quand j'étais étudiant à Paris, je vais vous raconter une petite histoire. J'avais l'argent, je faisais les jobs. En entrant au Cameroun, je vais acheter un bijou. Je m'en vais dans les belles boutiques de Paris. Je prends un bijou en argent qui m'a fasciné. Pourtant, il y avait l'or. Donc, je n'avais pas encore la connaissance de cette vérité. Quand maintenant, je travaille, je lis la Bible, je me dis, tiens, Dieu me dit que l'or, c'est une des grandes valeurs. Et il dit que pour dominer l'or, il dit que ce qui domine l'or, c'est l'intelligence. Enfin, il dit que les valeurs qui commandent l'intelligence. Quand tu as dit dans Dieu, l'homme, il dit que ma caractéristique, c'est l'intelligence et la sagesse. Et il dit que celui qui a la sagesse et l'intelligence, ça vaut plus que l'or. Tu vois, il dit même sur l'or. Ça vaut plus que l'argent. Bon, j'ai pris l'argent, mais j'ai pris une valeur qui était secondaire, mais je ne savais pas encore que j'étais la première valeur. Ça vaut plus que l'or, plus que l'argent, plus que tous les objets de prix. Donc Dieu ne dit pas le créateur, je ne dis pas du créateur. Il dit que si vous voulez avoir toutes ces choses-là, ayez d'abord la clé, c'est la connaissance. Voilà. Et cette connaissance, c'est moi qui vous la donne de manière précise, de manière profonde. Donc faites le téléphone, faites la technologie, c'est un processus de connaissance, ce n'est pas un processus d'argent. Transformer ça en matière, c'est un processus de connaissance. Faites sur ce panel, les grands professeurs le diront mieux que moi. Donc, c'est cela. Donc, quand j'ai donc compris cela, j'ai donc mis cette connaissance parfaite, l'intelligence, la sagesse, la droiture du cœur, la pureté du cœur, la sainteté du cœur, c'est tout ça qui, quand tu es pur, c'est ça qu'on appelle donc les lumières. Parce que c'est ça la renaissance, tu n'es dans le monde des lumières. Le roi du Maroc, actuellement, qui est devenu un pays émergent, a structuré l'islam marocain en le mettant dans l'islam des lumières. Il s'est compris l'islam des lumières. Le Maroc a des problèmes à l'éducation, mais il a réussi à faire qu'il a créé des chemins, une masse critique des gens qui tirent les autres. Donc, il a compris que la connaissance, l'intelligence, la sagesse, la pureté, les Américains qui commandent le monde, qu'est-ce qu'ils ont mis dans le dollar? J'ai mis le dollar dans ma poche. Moi, j'ai aussi mis Dieu dans mon CFA. C'est la même chose. Oui, les Américains ont écrit Inam Dikoy. Est-ce que Dieu a déchiré les dollars? Il a brûlé ça. Il a dit que je vous ai donné toutes ces choses. Donc, il a donc compris cette compréhension parfaite, parce qu'elle est parfaite. C'est ça donc que j'ai mis dans la conscience. Donc les fondamentaux, c'est les valeurs. Et l'homme aussi en crée, puisque l'homme aussi est un créateur. Quand vous créez par la connaissance les bateaux, les avions, tout ce que nous voulons, l'industrie, les sciences, voilà les sciences de la connaissance, parce que ça aussi c'est que l'homme a créé les sciences. L'homme a créé, Dieu a la science divine, il a mis en place l'intelligence, Dieu aussi les sciences. C'est ce que font les hommes. Donc, l'afro-pessimisme provient de ce qu'on n'a pas encore la connaissance. Et aujourd'hui, dans le monde moderne, la connaissance a beaucoup évolué. Les hommes ont mis en place maintenant les indicateurs pour évaluer chaque secteur. Vous voyez, tout ça, ça vient progressivement. Donc, ce qui veut dire que dans les indicateurs donc, du pessimisme, de manière générale pour les hommes, parce que l'Afrique, ce n'est pas une exception, non, c'est un autre coup. Les indicateurs, c'est quoi? La santé, l'éducation, l'agriculture, tous ces secteurs sont faibles parce que la connaissance qui les produit n'est pas suffisante. Ce qui veut dire en d'autres termes, que les enfants aujourd'hui, quand j'entends, on dit qu'il y a des enfants qui ont des 8 forts, des 9 forts, mais vous devez aussi la pratique forte et la pratique faible, parce que l'école est la transposition en pratique de ce qu'on a reçu. C'est là que moi je comprends cela. Même moi qui avais 15 sur 20 à l'époque, mais je n'étais pas encore au niveau parce que ces 15, j'avais encore des lacunes. C'est quand j'ai rattrapé le niveau de la vraie connaissance que j'ai révisité tout mon système de formation depuis l'école primaire jusqu'au doctorat. Et il y avait beaucoup de lacunes. Parce que la vérité, le créateur du monde dit que pour bien comprendre ce qu'il faut être dans la vérité. Or, la vérité, c'est ce qui est incontestable, qui ne se discute pas. Ou même si ça te discute, ça te convainc finalement. Donc, ce sont ces fondamentaux donc, que nous devons prendre. Les indicateurs donc, de l'afro-pessimisme, nous-mêmes le connaissons. L'éducation, la santé, l'agriculture, l'industrie qui change tout. Elle n'a même pas encore commencé, je ne dis pas que c'est une question de connaissance. Mais pourquoi est-ce que nous n'y sommes pas? Ce n'est pas parce qu'on est plus bête que les autres. C'est parce que quand les colonisateurs sont venus nous stopper au 15e siècle dans notre belle évolution, ils nous ont décalé complètement de l'axe de la créativité. Donc, ce qui fait que pour retrouver l'axe en 60, on ne peut pas. Et même ils nous critiquent ça tort. Ils ne savent pas que c'est la connaissance qui fait le développement. Mais pourquoi ils nous critiquent alors qu'ils ne sont pas formés? Ils ne savent pas. Donc, en 60, on ne pouvait rien faire. Il fallait commencer par le commencement, l'initiation. On commence à lire, à apprendre à lire et à écrire un peu dans des langues qui ne sont pas les nôtres. Ce qui a donc fait que 60 ans après, on commence enfin à avoir clair. Donc on commence à sortir de l'afro-pessimisme parce que la connaissance commence à se mettre en place. Parce qu'après 60 ans, nos gouvernements ont beaucoup travaillé et tout le monde. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut donc maintenant prendre les valeurs centrales. Et ça commence par l'homme lui-même. Tant que l'homme est mal formé, il n'y aura pas de développement. Il n'y en aura pas. C'est l'homme qui produit tout. Donc, Dieu dit que je te forme d'abord très bien. Et c'est toi même nos anciens, quand ils nous forment, ils te forment et maintenant tu vas pratiquer. Mais si ta connaissance ne te permet pas, tu vas pratiquer le niveau de ta connaissance. C'est pour ça que la connaissance a deux niveaux. Le niveau naturel, le niveau surnaturel. Quand les gens disent que c'est la magie, que c'est la magie de la connaissance. Tant que vous n'avez pas fait ce qu'on appelle la superstitude, c'est cette connaissance qui éclaire tout en bas. Et elle est spirituelle. Et elle est dans les valeurs, dans les fondamentaux. Les fondamentaux, sachez-le, c'est ce qui ne change pas. La vérité ne change pas. L'intelligence ne change pas. La sagesse ne change pas. Dieu même ne change pas. Donc, venez à ce système de référence. Ce qui ne change pas et qui est tout, c'est ça le socle de la vie. C'est pour ça qu'en écrivant maintenant les fondamentaux, n'est-ce pas, de l'afro-pessimisme à l'afro-optimisme, qui est le cycle de tous les peuples du monde, tous les peuples. L'Occident est passé par là, l'Asie n'en sort que péniblement, même la vérité. Là, tout ça a commencé et j'ai compris mon livre, et c'est cela, que tous les peuples du monde vont se développer. Ah oui, les peuples, c'est ça dans l'émergence. Si on travaille dans ce cycle, c'est ça dans les indicateurs aujourd'hui. Nous sommes aux Nations Unies, on est dans tous ces grands organismes qui posent les indicateurs. C'est pour ça qu'on dit que si vous pratiquez ces indicateurs de manière rigoureuse, en commençant par vous-même, en vous transformant, en 20 ans vous êtes émergent. Et en 40 ans vous êtes émergent. Et c'est la vérité. En fait, moi, je considère qu'aujourd'hui, moi, si j'ai un homme développé parce que j'ai la connaissance parfaite, elle vient de Dieu et des hommes. c'est les deux grands partenaires que l'on ne se sous-estime pas. Dieu dit que non, comme vous sous-estimez, je vous ai fait à mon image, y compris Apocalypse. Maintenant, je suis ta lumière, c'est moi qui t'éclaire. Je suis avec toi. Ah oui. Et ensuite, c'est ça donc l'Occident a pris au XVe siècle, la Renaissance, siècle, depuis siècle des Lumières au XVIIIe siècle, 2 siècles pour arriver à la lumière. Comment c'est compliqué? Ils ont commencé au XVIe siècle, par la Bible. Ils ont arrivé au XVIIIe siècle, c'est des termes bibliques, ce n'est pas des termes des blancs. Donc c'est cet Afrique qui devient le monde depuis le XVIIIe siècle et que maintenant tous les autres peuples viennent enrichir. Voilà donc l'objet de l'astropessimisme par les indicateurs faibles et l'astropessimisme par les médias avec les indicateurs qui commencent à changer. Et on nous évalue dans tous les secteurs, tous. On nous évalue sur l'éducation, sur la santé, sur les infrastructures, sur l'agriculture, sur l'industrie, tout ce que vous. Maintenant, on note les États comme on note les élèves. Oui, la Banque mondiale, le climat des affaires, sur 193 pays en tout classe. Et je vais vous lancer la bonne nouvelle. Le Cameroun est 99e économique mondiale. Ce qui est déjà très bon. Il faut seulement maintenant resserrer les boulons, c'est tout. Dieu la connaissance. Dieu la connaissance, pas de l'argent. L'argent est dedans. Merci mon cher ami. L'argent est dedans. L'argent est nécessairement dedans. Je ne vais pas parler de moi, mais comme c'est moi qui parle, je vais vous le dire. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai un doctorat. Je suis allé dans la maison, on me payait 80 000 francs. Mais j'étais content parce que j'ai trouvé que mon père gagnait 15 000, moi j'ai 80 000, mais je suis riche. Vous voyez ça? Et j'étais vraiment riche. Et j'estimais que, et donc mon souci, parce que là aussi l'église m'a formé, c'était d'aller servir. Voilà. Mon père me disait toujours là, quand tu es là, c'est pour servir. Au départ, je ne comprenais pas bien. Je dis bon, il m'a donné le plus grand conseil. Tu es là pour servir, mais avec 80 000 francs, j'étais bien. Parce que dans la connaissance de ma vie dès l'enfance, qu'il faut être propre, c'est pas le savoir n'est pas cher, qu'il faut bien manger, le macabre bien déployé, bien placé dans une tartinade blanche, c'est pas cher. Et bien vous voyez, mes amis, c'est ça la connaissance. Quand je vais au village, à Yémina, mon village, dans la forêt, j'aime bien mes frères qui savent, je vais manger les mêmes macabres que vous, on parle dans notre langue. Mais sauf que mon macabre ne sera pas comme le vôtre. Il se met dans une nappe. Ah, on a la dans ton macabre, c'est super. Il dit non, c'est pas comme la table est propre. Donc, c'est cela le développement. C'est cela le développement. Donc, chacun de nous qui est ici soit porté de ce message. Formons-nous solidement. Évitons la facilité, les raccourcis, les 5 fois, les 6 fois, tu seras plus faible. Parce que tu es en disant, moi-même qui avec un génie, il y a parfois, celui vous qui est là-bas. Ah oui, c'est ça, mes chers amis. Voilà donc l'objet de ce livre qui donc fait que j'ai donc découvert à la fin que par rapport à cela, à partir de 1990, on nous a mis dans les indicateurs. Parce qu'avec l'ajustement structurel qui a créé beaucoup de problèmes, mais la politique dit bon, parce qu'on nous a obligés maintenant de resserrer dans les fondamentaux et dans les indicateurs. Ce qui fait donc que depuis 90, tous les peuples du monde sont dans les indicateurs. On vous évalue tous les jours et vous-même vous évaluez. Donc en s'évaluant, j'ai développé 31 pays africains qui sont éligibles à l'émergence. S'ils resserrent les boulons tous simplement, il y en a qui sont déjà dedans. Le Maroc, l'île Maurice. Les Seychelles, c'est à cause des petits pays, mais il y en a d'autres qui avancent, l'Égypte qui avance à grands pas. Il y a le Ghana qui avance à grands pas, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, je vous dis que nous sommes dedans, 31 pays. On s'y ajoute encore 8 en raccourant par le PIB, on est à 38 pays. Vous voyez donc que l'Afrique est maintenant dans l'afro-optimisme mesuré, prudent, parce que le développement est pas à pas. Donc pour terminer, je conclue en disant que ce qui développe un pays, ce sont les fondamentaux éternels qui existent, auxquels on ajoute par la créativité. Vous voyez qu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas ce qui est écrit. Le mot des fondamentaux, ça existe. Mais j'ai compris que ces fondamentaux, on le dit sans savoir, c'est les fondamentaux qui forment son esprit. Il faut avoir l'esprit pur. Quand vous avez l'esprit impur, l'esprit des ténèbres, l'esprit des disputes, l'esprit des jalousies, l'esprit d'envie, l'esprit de paresse. Vous êtes pauvres avec le pessimisme est éternel. Ah oui. C'est pour cela que puisque tu me connaisses, et je le dis quand j'arrive au bureau le matin, j'arrive dans le bureau, courir avec tout le monde. Ah, vous êtes contents. Tous, vous êtes sérieux. Et on donne la considération à tout le monde. Oui, tout le monde est plus fort. Donc c'est pour dire en conclusion que ce qui commande le monde, c'est la connaissance. Pour avoir des infrastructures, on doit d'abord passer par une superstructure idéologique qui nous informe, qui nous passe le chemin. Et ils pensent que c'est une culture, situation spirituelle, culturelle un peu faible, et se faisant préjudiciable à une vision cohérente et globale. Il y a également une situation politique de plus en plus chaotique, une situation économique difficile, un niveau de développement infrastructurel à améliorer, et une situation sociale également difficile, portée notamment par la crise migratoire, le taux de plus en plus élevé des déplacés internes, des réfugiés, tout cela dû, n'est-ce pas, par différentes, n'est-ce pas, crises que traverse le monde. Il y a là, dans la situation culturelle faible préjudiciable à une vision pénale, l'auteur nous invite, n'est-ce pas, à avoir une culture spirituelle et culturelle très forte. Mais également, tout cela doit être assis sur un système d'éducation et de recherche de santé et de développement humain et qui malheureusement peine à produire l'Afrique. C'est-à-dire que nos systèmes d'éducation, nos systèmes de recherche, nos systèmes de santé et de développement humain laissent, on ne peut pas dire laissent à désirer, mais osent encore beaucoup. Il y a également cette situation politique difficile, marquée par les conflits politiques, marquée par les conflits communautaires, marquée par les conflits armés et en voie de conséquence, les réfugiés, les déplacés et ainsi de suite. La situation économique de la vie est également difficile, avec la pauvreté, la précarité, mais également une pauvreté monétaire et une agriculture qui reste dominée par cette l'agriculture traditionnelle de subsistance et un chômage de masse. Un niveau faible de l'inflation. Mais l'Afrique est aussi en parle de modèle de développement. Parce que l'auteur pense qu'après près de 60 ans d'indépendance, l'Afrique n'a pas encore trouvé son chemin sur le plan, n'est-ce pas, super-structurel, si on use le langage domestique. Mais ce constat est établi dans une autre démarche que je qualifie de dialectique. L'auteur montre dans la deuxième articulation que l'Afrique est dans un va-et-vient. On note aussi des éléments positifs qui méritent, n'est-ce pas, qu'on puisse pencher vers l'avant et l'optimisme. Et c'est pour cette raison qu'ils pensent dans cette vision que la nouvelle Afrique progresse vers l'appropriation et la pratique progressive de la formule des fondamentaux de développement. On le voit dans l'appropriation laborieuse par l'Afrique de ces fondamentaux de développement en vue, n'est-ce pas, de l'émergence du continent, en vue de l'avènement d'un Africain nouveau, parfait et créateur. Cela passe par la révolution culturelle, autour d'un schéma spirituel, culturel, bien entendu, et où l'auteur n'oublie pas l'un des éléments de la cosmogonie africaine, à savoir la solidarité communautaire. Et là, dans une démarche comparative, faisant référence à l'Europe du Moyen-Âge, au Japon et bien d'autres, l'auteur nous dit comment l'Afrique est en train de s'approprier ces moyens pour ainsi suivre la plupart des pays émergents qui eux-mêmes suivent la démarche des pays dits développés d'Occident. Et dans cette démarche, il y a également un engendrement vers la vie politique, puisque l'auteur pense que les mutations politiques intervenues depuis les années 1990 nous imposent, n'est-ce pas, un certain optimisme, marqué par l'entrée dans la démocratie libérale, le respect de la bonne gouvernance, mais aussi des traits de joie. Et ce sont ces valeurs qui sont essentielles pour une société moderne et qui permettent, n'est-ce pas, de sortir ou de lutter contre l'autoritarisme. Donc, depuis les années 90, il y a eu, n'est-ce pas, à l'optimisme sur le plan politique, mais également sur la nouvelle perception positive même de l'Afrique. Parce que les Africains et l'Afrique elle-même sont aujourd'hui intégrées dans la mondialisation, cette mondialisation économique, financière, et qui nous permet aussi de nous confronter avec les grandes nations, de nous confronter avec les nations émergentes. Et toujours dans cette deuxième partie, l'auteur nous dit, présente cette Afrique qui s'attelle à la culture de la pratique du développement. Cela se lit lorsqu'on voit au plan politique l'indice de la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit, l'indice de la gouvernance, mais également au niveau économique, le climat des affaires, la liberté économique, l'indice de développement humain, de pauvreté et ainsi de suite. Nous avons déjà dit qu'il s'agit des paramètres, n'est-ce pas, qui entrent dans ce qu'il appelle les fondamentaux du développement. Et toujours dans ce front de l'afro-optimisme, il note les succès de l'Afrique sur le front économique. On le voit dans le palmarès d'un certain nombre de grandes entreprises. Il n'y a pas seulement les entreprises chinoises, les entreprises occidentales, malaisiennes, mais il y a des entreprises, et nous verrons d'ailleurs dans la dernière partie sur les études. Il y a également les perspectives de croissance qui sont bonnes, mais également les échanges internationaux. De plus en plus, l'Afrique entre dans ces échanges. La troisième partie s'inscrit dans cette démarche de l'optimisme qui montre comment l'Afrique est déjà dans l'afro-pessimisme. L'afro-pessimisme est en marche. On le voit, l'optimisme. Je ne sais pas pourquoi l'afro-pessimisme me marque beaucoup. On le voit à travers les fondamentaux de la gouvernance démocratique, de la gouvernance économique et sociale. Mais il pense que pour renforcer tous ces paramètres et tous ces jalons qualitatifs et quantitatifs, nous avons aussi besoin des institutions fortes. Comme le président Barack Obama disait quand il est arrivé au Ghana, que nous avons besoin non pas des hommes forts, mais des institutions fortes. L'émergence se passe également par le plein emploi grâce à la révolution industrielle. L'auteur pense qu'on ne peut pas entrer dans le concept des pays émergents ou des pays développés sans une industrialisation et une autre industrialisation qui va nous faire sortir qui va nous faire entrer dans le cycle de avec une industrialisation. Et par substitution, et ce qu'il appelle l'industrialisation par substitution, c'est-à-dire une industrialisation où on devra de plus en plus transformer nos matières premières ici pour éviter, n'est-ce pas, le spiral des déficits, des balances de paiement, mais également nous soyons exploités comme nous l'étions par l'esclavage, par la colonisation et par le néocolonialisme. Et là, comme je vous ai dit, c'est un ouvrage qui touche tout. Et là, également, mobilisé le programme prévu dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui est une stratégie africaine en matière première qui trace les voies de l'Afrique vers l'industrialisation. Il y a également l'émergence qui demande une révolution énergétique et des infrastructures. Et on ne peut pas avoir une économie forte. On ne peut pas se développer sans développement énergétique, sans infrastructure routière, sans infrastructure des transports aériens, maritimes, ainsi de suite, mais également d'Internet, hein, qui pose problème dans, et plus largement, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais aussi l'autre paramètre important et qui fait pencher pour l'optimisme, c'est le financement des économies africaines. Et là, l'autre nous dit, il faut mobiliser les ressources internes, externes. Et il nous dit, l'endettement n'est pas un drame. La plupart des pays développés, et à commencer par les États-Unis, se développent par l'endettement. Mais le problème, c'est que très souvent, ce sont les capacités de remboursement qui posent problème. Donc nous devons maîtriser les paramètres de l'endettement. Et une autre démarche importante vers l'émergence de l'Afrique, c'est l'intégration régionale. On ne peut pas aujourd'hui. Et nous voyons tous les jalons portés par l'Union européenne depuis les années 50 ou 60, qui ont pu, l'intégration régionale, l'intégration européenne a pu permettre la réconciliation entre la France et l'Allemagne, qui sont devenus les moteurs, n'est-ce pas, de cette réalisation. Et ils pensent que nous devons promouvoir l'intégration régionale, qui nous permettra d'avoir des zones de libre-échange, d'être compétitifs dans ce conseil où nous sommes dans un commerce avec les Européens, dans le cadre de partenariat de libre-échange, qui, si on n'est pas, si on va en discuter, nous serons marginalisés et fragilisés. L'Afrique peut maintenant bien partir pour son développement après toutes ces années d'indépendance. La quatrième articulation, qui est la dernière partie, ce sont des études de cas auxquelles je vous invite à lire, parce que quand vous lisez ces études de cas, vous entrez définitivement dans l'optimisme et vous comprenez bien qu'il y a des jalons importants qui ont été posés dans toutes les zones de l'Afrique et peut-être que ces exemples qui ont fait leur preuve doivent être multipliés, doivent être suivis par différents états. En Afrique centrale, docteur Eric Essoussé nous a fait cas des grands chantiers au Cameroun, mais aussi le succès du Rwanda. En Afrique de l'Ouest, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, mais aussi le Sénégal, sans oublier un autre pays comme le Togo. Donc on peut croire que c'est un petit pays, mais qui est en train de évoluer vers l'émergence. Il n'oublie pas l'Afrique de l'Est, avec le Kenya et l'Éthiopie qui le présente comme la nouvelle Chine de l'Afrique. Vous savez, l'Éthiopie reste l'un des pays rares en Afrique qui, de manière continue, affiche une croissance à double chiffre. Nous souhaitons tout simplement la crise politique, qui est d'ailleurs un élément que le docteur Eric Essoussé a présenté comme une carte qui freine le temps. Et l'Éthiopie est aujourd'hui traversée par les crises irrégulières. C'est sécessionniste, nous souhaitons ce pays présenté comme la nouvelle Chine, puisse retrouver sa stabilité politique pour conduire notre continent vers l'émergence. Il y a enfin, dans ces études, non pas encore, il y a l'Afrique australe. Dans l'Afrique australe, les études, il y a l'Afrique du Sud, le Gauchon, mais aussi l'île Maurice qui sont présentés comme les champions, les pays, déjà l'Afrique du Sud est un pays émergent. Mais l'île Maurice qui est un petit pays, le Botswana, qui sont considérés comme des pays en phase de pré-émergence, c'est-à-dire dans l'antichambre de l'émergence. Et après l'Afrique du Nord, dans cette Afrique du Nord, l'auteur nous présente beaucoup de chantiers au Maroc, mais aussi en Égypte, des chantiers pharaoniques qui nous amènent, n'est-ce pas, à croire à cet optimisme. Donc voilà ce côté gagnant que le docteur Eric Essoussé a bien voulu nous dire à la veille de la fin d'année, veille en être autrement, je ne peux que vous inviter, n'est-ce pas, à lire cet ouvrage qui vous intéresse, mais qui vous enrichira et qui également vous éclairera sur un certain nombre d'éléments. Parce que chacun, comme je l'ai dit, il trouvera ce compte, ne serait-ce que pas pour des simples informations, ne serait-ce que pour comprendre qu'il y a beaucoup de raisons à espérer, à cultiver l'optimisme et à ne pas être complexé vis-à-vis des autres nations considérées soit comme émergentes, soit comme développées. Je vous remercie. Merci, professeur. Nous allons sortir sur ce banc d'optimisme, d'afro-optimisme. Pour la suite, nous allons passer la parole au préfacier, distingué personnalité. Mesdames et messieurs, quand le docteur Essoussé m'a présenté son projet de sur les fondamentaux de développement de l'Afrique, je dois dire que j'ai marqué un temps de réflexion et de sec. C'est la question que je me suis posée. C'était celle de savoir quel était le rôle de l'économiste que je suis dans ce projet éditorial. Mais en l'écoutant et en parcourant le projet d'ouvrage, je me suis senti conforté, parce que comme vous le savez, les économistes le savent, la science économique est une science carrefour des sciences humaines, l'histoire, la sociologie, le droit, les relations internationales. Et mieux encore, en discutant de vivre avec l'auteur, je me suis rendu compte qu'il y avait de la place pour l'économie dans cet ouvrage. Mais ce qui m'a réellement décidé, c'est le parcours de l'auteur. Un parcours diversifié, son enfance, son cursus scolaire, universitaire, son parcours professionnel aujourd'hui. A priori, rien ne le prédispose au regard de ce parcours à cette somme, comme on l'a qualifié le projet Bina ici tout à l'heure. On pourrait parler de la somme de ces docteurs de l'Église. Donc, j'ai été séduit par ce projet. Je me suis lancé justement dans la lecture du projet de page pour la préface que vous avez entre les mains. Alors, pour le moment de ce jour, je me demandais de parler de la convergence. La convergence évoque une idée de rattrapage, évoque une idée de rapprochement vers des standards internationalement connus, en tout cas de convergence, pour les pays africains, pour les pays en développement, c'est de se rapprocher des niveaux de développement aujourd'hui qui sont aujourd'hui ceux des pays industrialisés. Une simple lecture, une simple vocation du pays aujourd'hui qualifié de développé, parce que c'est un vocable qui regroupe à la fois les pays industrialisés, les pays émergents, les nouveaux pays émergents. On se rend compte que la première vague, la première génération des pays émergents, ce qu'on a appelé les dragons de l'Asie, ont valorisé, ont su valoriser leurs avantages comparatifs. Je le dis pour que ça serve également. On parlait d'absence de modèle, mais il y en a, nous verrons, et dans l'ouvrage d'ailleurs du docteur Eric Essoussé, il y a des prémices d'un modèle africain. Donc ceux-là ont valorisé les dragons de l'Asie. On valorisait leurs avantages comparatifs. Et c'est ça qui les a permis de se distinguer de ce qu'on qualifie aujourd'hui des pays émergents. La deuxième génération des pays émergents, ce qu'on appelait les tigres asiatiques, ont su tirer profit des opportunités de la révolution du pays. De même que la troisième génération, ce qu'on appelle la troisième vague des pays émergents, qualifiée aujourd'hui des BRICS. BRICS, où on retrouve un pays africain, l'Afrique du Sud. Donc, on se rend compte qu'il y a un facteur qui détermine, n'est-ce pas, le statut ou la qualité d'un pays émergent. Alors, à quoi renvoie ce concept? Cela renvoie à des niveaux de création de richesses, des niveaux de production intérieure brute qui vont. Et surtout du PNB per capita, c'est-à-dire la richesse nationale ramenée sur la population, qui frôle les 3500 voire 4000 dollars par habitant. Et puis il y a une diversité des parcours d'émergence en Afrique. Il y en a, pour la plupart, l'émergence est ramenée à la seule dimension. Et comme vous le savez, au niveau du Cameroun, l'émergence a une triple dimension. Elle est à la fois économique, elle est aussi sociale et politique en fait. Une des caractéristiques majeures qui forment ce statut de pays émergent, c'est le taux de transformation manufacturière. Ce taux vous permet de vous situer dans la catégorie des nouveaux pays industrialisés. Au niveau du Cameroun, pour vous donner une indication, nous sommes aux alentours de 13%. La valeur souhaitée vers laquelle nous tendons, c'est 24%, qui est la norme nationalement reconnue. Un autre indicateur, c'est les investissements, c'est le coût d'investissement. Malheureusement, nous n'avons pas prévu de diapo, on aurait pu vous montrer quelques schémas. Les taux d'investissement qui nous permettent de nous rapprocher, d'abord avant les taux d'investissement, les taux de croissance, qui nous permettent de nous rapprocher de ce statut de pays émergent sont les taux proches de 2 chiffres, défaut de les avoir. C'est la raison pour laquelle dans la nouvelle stratégie de développement du Cameroun à l'horizon 2030, nous œuvrons pour que le taux ambitionné de 9,5% soit atteint. Ce taux suppose des niveaux d'investissement importants, aux alentours de 25-26% du PIB. 25-26% du PIB. À titre d'illustration, nous sommes aux alentours de 20,5%. Nous avons 9 ans pour élever ce défi. Et pour nous ramener sur le thème central qui nous réunit aujourd'hui, il y a 3 grands mouvements. Le premier mouvement est celui de l'afro-pessimisme. Le deuxième mouvement, développé et défendu par l'auteur, c'est l'afro-optimisme. Et le troisième que je lui propose, c'est l'afro-réalisme. Ces mouvements sont présentés dans la préface. Sur le premier mouvement, je voulais partager avec vous quelques indicateurs, quelques données historiques Je vais retenir essentiellement l'évolution du produit intérieur brut. De 60 à 70, nous étions à 4,6% de taux de croissance. De 70 à 81, nous sommes à 3% de taux de croissance. Vous voyez qu'il y a une décroissance du taux de croissance. De 80 à 90, nous sommes à 2,1. De 90 à 2000, nous sommes à 2,5. Nous avons une rupture importante en 2020. Et pour la période 2021-2022, l'Afrique pourrait, c'est là où je parle d'afro-réalisme, pourrait croître à 3,1%. Donc voilà, avec ce panorama des données d'évolution historique du PIB, on se situe bien dans les trois mouvements de cet ouvrage. Les deux mouvements qui fondent l'ouvrage du docteur Essoussé. Le troisième que je lui recommande d'explorer, l'afro-réalisme. Sur les deux premiers mouvements, il s'agit de la thèse de l'afro-pessimisme. Et cette thèse est étayée dans cet ouvrage par un certain nombre d'indicateurs. On peut le comprendre, les premières années. Les années 60 sont les années d'indépendance, les années où il y a un retrait des colonisateurs, un retrait des sites d'investissement. C'est la raison pour laquelle le taux de croissance, qui est au début des années 60 assez solide, aux alentours de 4%, commence à s'amenuiser vers la fin des années 60 et le début des années 70. Donc on peut comprendre aussi que dans certaines régions, avec les luttes des indépendances, le départ du colonisateur n'a pas permis de jeter les bases d'une croissance forte, durable et soutenable. Cet afro-pessimisme est renforcé. C'est vrai que déjà dans les années 60, l'agronome René Dumont le disait, mais c'était pas tant sur la base des indicateurs macroéconomiques que sur les conflits internes que vivait l'Afrique à l'époque. Mais dans les années 80, avec l'avènement de la crise de la dette, avec les cycles des cours de matières premières très dépressifs pour l'Afrique. L'Afrique s'est engluée dans une sorte de récession avec des taux qui frôlent les 1%. Et comme on le dit dans la préface, c'est à partir de ce moment qu'il y a un regain des thèses sur l'afro-pessimisme, essentiellement véhiculé par les Occidentaux. Et malheureusement entretenu par certains économistes de ces pays. Mais à partir des années 90, on observe qu'il y a un changement de paradigme au niveau de la pensée économique, et on parle de l'afro-optimisme. Il y a des écrits, des auteurs comme Philippe, il y a des écrits des organisations internationales telles que la Banque mondiale ou alors le Fonds monétaire international qui estime que la croissance mondiale est robuste et essentiellement portée par celle de l'Afrique. Et finalement, quand on fait une analyse de tout cela sur ces deux grands mouvements, afro-optimisme dans les années 60-70, afro-optimisme à partir des années 90, on se rend compte que les évolutions, parce qu'il y a des évolutions divergentes en Afrique, les évolutions économiques que nous observons au niveau de l'Afrique sont essentiellement adossées sur les cycles des cours des matières premières. C'est-à-dire que quand nous nous sommes rendus compte, en interrogeant, en questionnant ces cycles, que ce sont des cycles d'une durée moyenne de 10 ans. Donc en questionnant l'origine de ces cycles et l'impact de ces cycles sur les évolutions de nos économies, on s'est rendu encore comment nous étions fortement dépendants. C'est-à-dire nos évolutions internes étaient fortement dépendantes des évolutions internationales, notamment des cours des matières premières. Alors ça, c'est les deux grands mouvements qui se retrouvent dans l'ouvrage du docteur Essoussé. À partir de 2020, Je pense que, compte tenu de la soudaineté de ces chocs, que nous avons connus, nous sommes habitués au choc, ou en contraire, au choc exogène, et depuis quelque temps, au choc endogène. Mais celui que nous avons connu en 2020 est une rupture fondamentale, une rupture inédite dans nos évolutions économiques. La crise sanitaire, c'est pas tant la crise sanitaire que des mesures de restriction qui ont été prises par les économies, notamment développées, pour pouvoir endiguer la crise, qui ont impacté négativement. Au point que pour la première fois en 25 ans, l'Afrique a été face à une dépression. Les économistes qualifient la dépression par le taux de croissance négatif. Le Cameroun, fort heureusement, a émergé, le CEDO avec une croissance de 0,5%, de 0,5%, mais pour la première fois en 25 ans, l'Afrique a été face à une dépression. Et c'est là où s'arrête l'orage de la paix sociale. Et c'est pour ça que nous nous proposons, au regard de la dynamique des cultures que je lui connais, d'explorer dans ces prochaines réflexions ce que moi je qualifie d'afro-réalisme. Parce que les spécialistes, les prévisionnistes, les spécialistes de l'économie prévoyaient une croissance mondiale, plus de la croissance mondiale en V. Ce que les historiens et les économistes n'ont pas toujours observé depuis que l'économie s'est modernisée. C'est-à-dire face à une telle dépression, celle de l'année 2020, il y a eu comme une convergence vers une reprise économique en V 2021. Alors que certains économistes camerounais pensaient davantage à une reprise en U, c'est-à-dire avec une croissance morte nue en 2021-2022, la dépression des années 2020 et puis une reprise progressive à partir de 2022. C'est sous cette lancée que, dans le cas des hypothèses des organisations telles que la Banque mondiale, l'OCDE ou le FMI, la plupart, l'Afrique, y compris le Cameroun, se retrouvait avec une croissance de 3,1. C'est ce qui est dit dans la préface. 3,1 en 2021. Une croissance plus robuste à partir de 2000, aux alentours de 4% à partir de 2022. D'où le réalisme que j'invite chacun d'entre nous, parce que depuis le début de cette année, nous avons de nouveaux enjeux. Il y a d'abord cette crise sanitaire qui n'est pas. Nous croyons, en fin d'année dernière, nous pensions que cette crise sanitaire serait derrière nous. Et aujourd'hui, on assiste à l'avènement de nouveaux variants de l'ensemble. Avec ce que cela implique de politiques restrictives. L'un des enjeux que cela va impliquer pour l'Afrique, c'est la mise en œuvre de la ZKF qui a commencé depuis le 1er janvier. Actuellement, le commerce intra-africain est aux alentours de 16%. L'ambition de l'Union africaine est de porter ce commerce avec la ZKF à 60% d'ici 2034. Comment le faire si la crise sanitaire n'est pas totalement éradiquée? Les économistes ont démontré que le commerce entre États contribue pour au moins 2 points de taux de croissance. Donc il s'agit à la fois d'un enjeu et d'une opportunité. D'un enjeu dans une ZKF, mais en même temps d'une opportunité pour que nous puissions, histoire, renforcer le commerce intra-africain. En Afrique centrale, il est de 2%. Le deuxième enjeu sur lequel s'adosse cette thèse d'afro-réalisme est celui de la dette. En 2020, la dette du pays africain représente 417 milliards de dollars. Nous avons eu une trêve dans le cadre de l'initiative de suspension de la dette en 2020 à la faveur de la crise sanitaire. Et le service de la dette va reprendre à partir de 2022, à partir de la moitié de l'année 2022. Il va falloir trouver des ressources. paysannes. Ici, l'enjeu, c'est ça, sur le point de la dette, 417 milliards de dollars. Mais l'opportunité que nous avons, c'est de persévérer et même renforcer les politiques de consolidation budgétaire que nous avons mises en œuvre depuis quelques années, soit de façon autonome, soit alors avec le Fonds monétaire international. Le troisième enjeu que charrie cette crise sanitaire, vous l'avez suivi ces derniers temps, c'est une hausse historique de l'inflation internationale qui se répercute déjà dans le pays. Au niveau de la semaine du Cameroun en particulier, nous avons eu des taux d'inflation globalement bas, parfois proche de zéro, comme en 2019. Depuis le début de cette année, nous sommes à 2,6. C'est les données de l'Institut national de la statistique. Il y a 2 ans, nous étions proche de zéro. Et porter cette inflation est essentiellement portée par les produits que nous importons des pays aujourd'hui industriels. Et si ça persiste, vous avez suivi les récriminations des membres du GICA sur la fermeture temporaire collective de certaines usines appartenant à l'Allemand. Vous voyez sur le terrain, malgré les descentes régulières du ministère du Commerce, et les prix continuent de s'envoler. Ce n'est pas tant l'inflation du fait de l'année, mais c'est du fait justement de cette inflation internationale qui est inédite, que nous n'avons pas connue depuis la fin de 2020. Et ça, c'est l'enjeu d'opportunité ici que nous avons face à cet enjeu, c'est de pouvoir mettre résolument en œuvre nos politiques d'import-substitution. Nous sortions des vœux pieux pour investir massivement. Vous n'avez quelques chiffres. Dans le cadre de l'industrie plasticole, nous importons ce qu'on appelle la marque, annuellement 100 milliards de plastique. Nous pouvons développer des équivalents. Et il a été démontré que nous avons des agroécologiques qui sont propices à la production de marque. Le maïs, le riz, le poisson représentent 500 milliards de francs chaque année dans notre balance commerciale. Ça, c'est pour le Cameroun. Et c'est valable aussi pour les autres pays africains. L'enjeu ici est de pouvoir saisir cette opportunité de crise sanitaire. Cette opportunité de crise sanitaire. Pour qu'enfin, nous mettions en place de manière volontaire des politiques viables d'import substitution. L'année dernière, dans le cadre du budget de l'État du Cameroun, 50 milliards de francs ont été mis à contribution. À l'observation, il y a eu très peu d'entreprises ou séparant d'informations. Mais il s'agit d'une enveloppe qui est mise en place dans le cadre du plan de relance post-Covid et qui est destinée à 4 spéculations, à laquelle nous avons adjoint une dernière, à savoir le riz, la farine, le riz, le maïs, le sorgho, comme substitut du marc, et les produits pharmaceutiques, qui sont autant de produits pour lesquels nous pourrions produire à tous les mois les équivalents de l'eau. Voilà les 3 mouvements avec la proposition que je fais à l'auteur, de poursuivre cette réflexion en tenant compte des nouveaux enjeux. Face à une pandémie dont le bout du tunnel n'est même pas envisagé en 2020. Il s'agit là d'une nouvelle problématique qui doit dorénavant inhiber, alimenter l'élaboration des politiques et des stratégies. Merci pour votre attention. Merci, monsieur le directeur général de l'économie. En vous suivant, à la fin, je suis tenté de reprendre une interrogation rhétorique de ce programme. Que nous manque-t-il Cameroun à l'énoncé des différentes mesures, des différents préalables à mettre en mouvement très rapidement pour que nous sortions de ce long tunnel. Peut-être que vous allez revenir là-dessus lors des échanges à cet instant. Mais très rapidement, on va écouter le professeur Binamikoy, le credo des valeurs qui constitue le soubassement de cet ouvrage est certainement une musique douce aux oreilles du professeur Binamikoy, lui qui travaille au quotidien à diffuser et à vulgariser les valeurs du patrimoine culturel africain en tant que secrétaire exécutif du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. Merci, monsieur le rédacteur, et j'apprécie cette injustice. Mais je l'accepte avec joie, parce que c'est un honneur qui nous est fait, et qui est fait au CEDO-DOLA, Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. Mon siège est à Yaoundé. C'est un honneur qui nous est fait de pouvoir nous joindre à ce festin de l'esprit. Je ne pouvais déroger à l'aimable invitation de la maison Éclosion, surtout appuyée par l'appel tout à fait personnel de l'auteur de cet immense ouvrage, qui est un frère et un ami de très longue date. Il m'a été demandé de prendre la parole pour faire un commentaire de l'ouvrage. Je vais vous faire un aveu. J'ai lu l'ouvrage en 3 heures. C'est un ouvrage de 746 pages. Mais quand j'ai commencé à la première page des dédicaces, puis la préface, je n'ai pas pu m'arrêter. Je l'ai lu comme on lit un roman d'amour. Et c'était vraiment une question d'amour. Monsieur le modérateur, vous savez. Je n'avais que derrière. J'avais l'impression, en fait, de poursuivre momentanément, à travers cette parenthèse de lecture, ce que nous faisons au quotidien, réfléchir à l'émancipation, j'allais dire à la totale et définitive libération de l'Afrique et de l'homme africain à partir des patrimoines de l'Afrique, à partir du potentiel africain lui-même, à partir de la vision africaine des hommes, des choses, des êtres, dans toute leur diversité, leur complexité. Et c'est pour cela que l'idée d'un commentaire sur le livre, à savoir apporter quelques éclaircissements, n'est-ce pas, quelques observations et peut-être quelques remarques, n'est-ce pas, sur le texte, afin d'en faciliter l'intelligence, m'a tout naturellement séduit. En remerciant ceux qui nous ont invités, je voudrais très simplement vous dire que cet ouvrage, à mes yeux, apparaît comme une savante compilation, une savante et encyclopédique démonstration de la capacité africaine à assumer le destin de l'Afrique en tant que terre d'hommes et de femmes doués d'intelligence et de sens de la créativité pour faire face à leur destin. Eh bien, ce qui m'a frappé le plus ici, c'est que l'auteur problématise sur les fondements du développement du continent. Mais il passe par quelque chose que le CEDO-DOLA justement dénonce. Il s'inscrit dans la division internationale du travail. Il s'inscrit dans le monde tel qu'il est, tel qu'il nous est ouvert terre qui nous est imposée depuis que l'Afrique a, dans le choc de l'histoire, rencontré l'autre, rencontré ceux qui se sont autoproclamés civilisés. Et c'est séduisant que Eric ait abordé la question de cette manière-là et qu'il ait voulu problématiser là-dessus. Parce que les fondements du développement du continent, il les ausculte à travers les voies et les règles du système mondial, du système dit universel, qui appauvrit évidemment l'Afrique et qui la place dans la marge de l'histoire à partir des critères, des indicateurs, à partir d'une vision, n'est-ce pas, du développement qui, évidemment, fait de l'Afrique et de l'homme africain des porteurs d'eau dans le système et des exclus du système en tant que ce système fait de l'Afrique un réservoir de matières premières et la première matière première étant la ressource humaine elle-même. Alors, c'est séduisant de voir ça. Et ici, Eric nous indique parfaitement à quel point l'Afrique est jugée à l'aune de ces principes, de ces critères, de ces règles, de ces indicateurs qui sont constitutifs des fondamentaux du développement. Et j'aurais souhaité que le titre soit mis en guillemets, les fondamentaux du développement. Mais le titre va sortir des guillemets, parce que une fois passé le constat premier, n'est-ce pas, c'est la première partie. La deuxième partie s'attache à jeter une lumière neuve sur les sources et les causes de l'échec, n'est-ce pas, de l'expérience inachevée, d'une scolarisation entre guillemets, d'une scolarisation sur le développement, d'une scolarisation au développement, qui est une initiation manquée, n'est-ce pas? Et c'est ici qu'il tourne le dos, il disqualifie l'afro-pessimisme. L'afro-pessimisme qui est inscrit dans la scolarisation et l'initiation manquée. Et le jugement des autres. Le jugement des autres. Alors, cette deuxième partie qui nous fait sortir le constat que l'Afrique est un continent en panne de modèle, offre un véritable recueil de recettes agissantes, un répertoire de recettes agissantes pour démontrer l'afro-optimisme, pour ouvrir la voie à l'optimisme par les faits, par les faits. Et ici, la question magique est toute trouvée. C'est l'appropriation, selon l'auteur, l'appropriation et la pratique progressive des fondamentaux. Il faut donc qu'on se remette en cause, mais qu'on s'approprie, qu'on devienne maître du destin confisqué par les autres pour pouvoir sortir du carcan dans lequel l'Afrique se veut. Évidemment, nous autres, à titre personnel, puisque je fais un commentaire, nous avons beaucoup à redire sur cette démarche. Nous aurions beaucoup à redire, mais vous avez entendu l'injustice. Nous y reviendrons en d'autres circonstances. Et évidemment, cette deuxième partie débouche sur, tournant le dos à la première, à l'afro-pessimisme, qui nous faisait dire l'Afrique ne peut pas. En fait, l'Afrique ne peut pas. Elle débouche sur cette raison nouvelle, l'Afrique peut. L'Afrique peut, c'est illustré. Et c'est donc tout l'effet de la troisième partie que la portée de cette illustration. L'Afrique peut, effectivement. Les ressources sont là, n'est-ce pas? Elle n'a pas besoin de tout emprunter aux autres. Mais elle peut organiser sa rationalité, sa créativité, revenir aux sources africaines de la culture, de la spiritualité et de la convivialité. Voilà le comment. Mais ici aussi, j'ai comment m'amène un commentaire qui m'oblige à me souvenir, Madame l'éditeur me reprendra, c'est de la page 141 à la page 151, n'est-ce pas, que la question est traitée dans tout un chapitre sur la culture africaine comme, n'est-ce pas, valeur et comme source pour construire la marche en avant. Alors, vous avez vu ces 10 pages dans cet immense ouvrage de 746 pages. Eric, qu'est-ce que la culture africaine t'a fait? Pourtant, tu es dedans. Et tout au long de ton ouvrage et de ton questionnement, chaque fois surgit et ressurgit l'homme africain debout, l'homme africain agissant, l'homme africain créant et créateur, créatif. Derrière ta belle image du créateur, n'est-ce pas, qui n'a pas qui n'a pas épargné sa bonté, sa haute bonté, n'est-ce pas, pour doter l'homme africain des capacités et des potentialités qui sont les siennes aujourd'hui. Donc, une lueur d'espoir est malgré tout inscrite dans le livre, dans cette difficile quête, n'est-ce pas, qui nous est proposée. Et on a donc le sentiment que de la troisième partie, l'Afrique se met en marche et doit pouvoir se mettre en marche pour aller vers l'émergence. Et la dernière partie montre bien que si cela est fait, c'est ce qui est fait, l'émergence est possible. À la preuve, la quatrième partie, c'est une partie d'illustration de cas. Le Cameroun, le Rwanda, le Maroc, par exemple, sont abondamment cités et nous sommes en face de réalité et pas seulement de théorie. Donc, pour tout dire, l'ouvrage d'Éric Essoussé est un ouvrage monumental dans tous les sens du terme. C'est un ouvrage encyclopédique au sens de la consommation des différentes problématiques qui se posent autour de la question du développement de l'Afrique, autour de la complexité inscrite dans cette question elle-même. Et c'est un ouvrage qui m'a rappelé étrangement un petit livre qui est une somme, j'emprunte au modérateur, une somme de Cheikh Anta Diop sur l'Afrique, culture et développement. La culture et développement de l'Afrique. Et quand on emprunte à cette somme-là de Cheikh Anta Diop, qui n'est pas très connu, ce petit ouvrage, eh bien, on est obligé de s'interroger sur les connexions, les nécessaires connexions à établir. Et c'est ici que le lecteur devra s'interroger une fois qu'il aura fermé l'ouvrage, le livre. Il devra lui-même s'interroger, il devra être amené à lui-même s'interroger sur le début, sur le commencement de la misère africaine. Parce qu'elle est historiquement marqué. On peut situer le début de la chute, de la décadence, de la décadence à la confiscation. Et c'est à partir de là, me semble-t-il, que nous pouvons, une fois connectés à la réalité, à la vérité, à le concept posé par le professeur Tamba est très, très séduisant de ce point de vue-là. On s'apercevra que, en fait, Eric nous invite, nous alerte, il balise la voie et il nous donne, à travers ce livre, des armes miraculeuses de combat pour sortir de cette dépendance mentale de la division internationale du travail et des complexes d'infériorité qui usent et qui abusent. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, distinguées personnalités, je vous remercie de votre attention continue et soutenue. on va s'offrir un digestif sous forme de respiration musicale avant de poursuivre notre banquet intellectuel. Merci beaucoup musical pour cette inspiration musicale qui nous replonge dans nos valeurs, dans notre patrimoine culturel, d'ensemble et si riche. Alors, mesdames et messieurs, il nous reste trois articulations. On va aller très rapidement. Deux dernières interventions, une de 10 minutes, une seconde de 5 minutes, et après quoi, vous aurez droit à la parole pour vos questions et vos réactions. Et enfin, le point d'heure, ça va être le rituel de la dédicace proprement dit. Alors, sans plus attendre, je vais prier les uns les autres de reprendre leur place pour que nous continuions de savourer les enseignements de cet ouvrage et les contributions autour. Et en l'occurrence, je vais introduire M. Nana Kotto, qui va nous entretenir sur l'environnement favorisant l'innovation et l'éclosion des jeunes entrepreneurs en Afrique. Monsieur Nana Konchou, qui a eu plusieurs vies, sur lesquelles je ne veux pas revenir, mais celui que j'ai introduit est administrateur d'entreprise et investisseur. Monsieur Nana Konchou, je vais vous prier de nous restituer votre exposé en une dizaine de minutes aussi. Merci beaucoup et je suis très honoré d'être là. Et avant toute chose, permettez-moi de féliciter l'auteur, M. Eric Essoussé, pour ce fantastique ouvrage. Félicitations l'auteur. Je vais essayer de m'inspirer de quelques passages pour mon petit exposé. Il a dit de l'afro-pessimisme à l'afro-optimisme. Et la question que certains se posent, c'est est-ce que l'Afrique peut? Moi, je ne me pose pas cette question. Je suis convaincu que l'Afrique peut. Et je me pose vraiment la question de savoir comment. Les leaders ont pour principale tâche de résoudre la problématique de développement du monde, soit pour leur famille, pour leur entreprise, leur association ou même pour leur pays. Mais très souvent, notre regard est tourné vers ce qui ne marche pas. Nous vivons dans la critique systématique. Et même quand les solutions sont proposées, nous passons trop de temps à montrer comment ça marchera. C'est donc notre carrière. Et quand un auteur célèbre, un homme célèbre disait, some people see things that are, and they say why. I dream to things that has never been, and I say why not. Cet esprit de pourquoi pas apporte la curiosité. Cette curiosité ouvre la porte à l'innovation, et cette innovation apportera donc le développement, le progrès et une vie meilleure. En bref, donc, on mettra dans un optimisme frappant. Donc, alors, comment créer cet environnement qui favorisera l'innovation? Ici, j'ai noté trois points. L'environnement psychologique ou sociologique. Il nous faut un système dans lequel les gens font face à leurs problèmes et trouvent des solutions eux-mêmes à leurs problèmes. Pour des raisons différentes, que ce soit l'anxiété, la paresse, le manque de confiance en soi, ou pour des raisons externes à nous, c'est-à-dire un environnement non propice, nous regardons en deçà de nos capacités, en deçà de l'ingéniosité collective, en deçà des outils et de la résolution des problèmes qui a déjà été mise en œuvre dans notre communauté. L'Afrique a un grand réservoir pour l'innovation. Et ce réservoir réside dans notre riche culture et notre structure sociale. Je crois que l'intervenant précédent va être content. de notre culture. Alors, on peut innover dans la nourriture, dans les vêtements, la tradition, les loisirs, l'artisanat, mais surtout, dans les ressources humaines. Nous pouvons mettre à profit nos ressources humaines sous-utilisées, parcourir la longue liste des idées inexplorées, regarder nos problèmes différemment et, espérons-le, nous trouverons une solution. Le docteur Eric Essoussé a dit, j'espère que c'est dans la page 331, au-delà de cette voie classique de développement par l'industrie, il faut que l'Afrique se projette dans l'avenir et imagine une voie originale de son industrialisation qui pourra inspirer les autres continents. Tout en travaillant sur l'industrialisation classique fondée sur la création des richesses, l'Afrique doit également s'inscrire dans la 4e révolution industrielle, celle basée sur l'intelligence, le talent, le génie créateur pour impulser son industrialisation. Donc, les ressources humaines encore. Ensuite, il nous faut un environnement organisationnel. Les organisations où les gens ont la possibilité d'identifier et de partager facilement leurs problèmes. Là, ils sont encouragés à prendre des décisions à eux-mêmes et à trouver des solutions à leurs problèmes, l'innovation se met en marche très rapidement. Ces organisations sont très souvent des organisations décentralisées. Bien qu'une organisation centralisée permet un meilleur contrôle et une stratégie unifiée, elle peut entraver la flexibilité et décourager l'innovation locale, l'innovation du terrain. La troisième clé dans l'innovation, c'est l'esprit pratique. L'esprit pragmatique. Certains ont dit ici l'afro-réalisme. Et quand on parle de l'innovation, combien de fois nous avons entendu dire qu'il a été créé des choses nouvelles pour voir ensuite que diverses versions de ce produit existent sur le marché. Pour travailler sur quelque chose qui existe déjà, il faudrait que nous le rendions soit moins cher, soit meilleur. Et il faudrait aussi que nous le rendions émotionnellement attrayant. Nous n'avons pas besoin de créer des choses qui existent déjà. Nous avons besoin de créer des choses dont nous avons besoin pour notre vie quotidienne. Et par exemple, avec l'informatique, l'automatisation des rapports de travail que nous faisons, la numérisation des processus, des aliments instantanés pour bébés, les maisons à refroidissement naturel, les systèmes d'arrosage intelligents dans les serres pour l'agriculture, l'agriculture urbaine, sont quelques exemples simples que nous pourrions utiliser pour nous simplifier la vie. Nous devons adopter donc un esprit d'expérimentation pragmatique et nous demander que pouvons-nous faire maintenant avec les ressources dont nous disposons déjà, de la manière la plus simple possible pour résoudre le problème en face de nous. Le professeur ou le docteur Eric a dit le développement de l'industrie, ça c'est dans la page 331, j'espère, le développement de l'industrie par de l'intelligence pour la créativité et l'innovation reste la voie idoine pour l'Afrique, pour réussir son industrialisation. Comme ça, c'est observé dans les pays industrialisés et émergents. Enfin, pour favoriser l'innovation, il nous faut accompagner les jeunes. Il faudrait qu'on comprenne que sans les jeunes, nous nous privons d'une tranche de la population qui est la plus disposée à l'innovation. Parce que les jeunes n'ont pas toute l'histoire que nous avons. Les jeunes sont curieux, sont pleins d'énergie. Ils voient les choses différemment. Ils ne sont pas attachés au statut. Un environnement qui favorise l'innovation prime l'inclusion des jeunes. Mais maintenant, après qu'on ait innové, il est absolument important de produire en masse ou en grande quantité, donc industrialiser et produire des services. Et l'entrepreneuriat se présente comme une panacée efficace au défi de l'emploi et du développement. Et les petites et moyennes entreprises, les PME, sont le moteur principal. Comparé au gouvernement et aux grandes entreprises, les PME peuvent rapidement prototyper des idées, tester des solutions sur le marché et passer à la production de masse. Il est donc essentiel d'apporter un soutien aux PME en notant les principaux obstacles à leur progression par des actions audacieuses, telles que faciliter et renforcer une culture de l'entrepreneuriat au sein de nos communautés, créer un écosystème de l'entrepreneuriat performant, combler le déficit de financement et créer et vendre pour répondre aux besoins locaux. Encore dans le fameux livre, l'encyclopédie, il est dit à la page 324-325, le succès du modèle est-asiatique peut être attribué à trois facteurs dont les Africains pourraient s'en inspirer. Tout d'abord, les gouvernements ont mis en place des cadres stables et prévisibles pour attirer les investissements. Deuxièmement, ils ont poursuivi un dialogue étroit, constant et fort avec le secteur privé. Enfin, les gouvernements ont simultanément recours à des stratégies de substitution des imports et la promotion des exportations, de manière qui a servi au mieux l'objectif de l'industrialisation. Et je crois que le directeur général de l'économie nous a dit tout à l'heure qu'il faudrait qu'on pense à des stratégies de consommation locale. Mais maintenant, ces jeunes qui créent les nouvelles entreprises, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin de mentorat. Toutes les multinationales, rappelons-nous, ont commencé leur parcours comme des PME. Le mentorat des entreprises est le plus beau cadeau que les capitaines d'industrie peuvent offrir aux jeunes entrepreneurs. Moi, j'ai eu l'honneur d'encadrer activement une dizaine d'entreprises à ce jour, en Afrique, Nigeria, au Cameroun. Ce sont des jeunes innovateurs dans le domaine de la santé, l'agro-industrie, l'éducation et la technologie. Grâce au conseil et la collaboration, leur travail contribue à la transformation sociale et économique de leur communauté. Ensuite, en dehors de la stratégie de soutien, un apport en capital de la part des investisseurs est essentiel à la création d'un environnement entrepreneurial efficace. Il faudrait investir dans la jeunesse. Il faut investir dans la jeunesse et ça devrait être, à mon avis, une cause nationale. Les bienfaiteurs sont particulièrement encouragés à consacrer une partie de leur portefeuille, je ne sais pas combien, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7% par exemple, pour les PME et les jeunes entreprises qui se créent. Pour moi, investir signifie, au-delà de la rentabilité et la création de la valeur, contribuer également au progrès humain et au bien-être social. On l'a dit tout à l'heure dans ma nouvelle casquette, je suis plus investisseur de la première heure. Et donc, je travaille avec une fondation au Cameroun qui s'appelle Cameroun Angel Network, qui sont donc des investisseurs de première heure qui encouragent les jeunes entreprises et qui leur donnent de l'argent et de l'encadrement pour leurs idées. En même temps, je travaille avec les investisseurs en Inde et avec l'université de Madras pour fabriquer donc des nouveaux produits technologiques qui seront résistants à l'environnement indien qui est aussi similaire à l'environnement africain, c'est-à-dire pour réduire le temps de maintenance dans des outils qui seront fabriqués. Et je dois dire que j'ai été témoin, je suis encore témoin, des énormes difficultés que les jeunes ont en dehors de la connaissance, monsieur le docteur. Les gens auront besoin d'un esprit pratique, d'un accompagnement, des ressources. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, plein d'idées, mais qui n'arrivent pas à avoir le financement pour développer leurs idées. Et le docteur Eric a dit, au sein du secteur privé, les entreprises africaines, dont bon nombre sont les petites et moyennes entreprises, se heurtent à des difficultés d'accès au financement, du côté de la demande aussi bien que de l'offre. En ce qui concerne l'offre, le principal problème est le manque de solidité des systèmes financiers. Aujourd'hui, les systèmes financiers ne sont pas très solides pour accompagner les jeunes, mais les individus peuvent, j'allais dire, réduire le nombre de bouteilles de bon vin qu'on consomme et mettre un peu cet argent-là à la disposition des jeunes entreprises. Le dernier point que je voulais mentionner, c'est un plaidoyer. Les membres de la société civile, les leaders d'opinion, les leaders communautaires, les médias ont également un rôle à jouer pour sensibiliser et influencer les politiques publiques en matière de l'entrepreneuriat. Les politiques et les règlements évoluent sur le continent, mais nous ne sommes pas toujours conscients de ce qui est fait. Il est nécessaire de s'informer sur les dernières évolutions de l'environnement réglementaire et s'engager dans un plaidoyer sur les problèmes qui ne sont pas encore résolus. À mon avis, à mon sens, des éléments constitutifs d'un écosystème durable pour les jeunes entrepreneurs existent aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ils restent incohérents et sous-développés. Une fois que les acteurs concernés feront leur part de travail, s'uniront dans un système structuré, ils produiront un impact et laisseront un héritage durable. Donc, l'Afrique peut se développer, l'Afrique va se développer. La clé est dans nos mains, la clé est dans la main des Africains. Donc, en cette période festive, et en consommant moins de 10 minutes, je voudrais donc vous remercier de votre attention. Merci. Merci, monsieur le DG. On va rapidement couper avec la dernière intervention, précisément d'une jeune dame. Ça s'enchaîne bien sur l'entrepreneuriat féminin et le pays du Cameroun, l'impact que sur le développement de l'Afrique. Celle-ci n'a pas l'avantage de faire un témoignage sur son expérience. Honorable invité, bon après-midi, bonsoir. Je suis vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je suis influencée. Comment parler après et devant les professeurs, les docteurs? Moi, j'aurais souhaité parler au début. Je serais passée incognito, j'aurais dit des choses et puis j'aurais disparu. Mais là, tous les professeurs ont parlé, tous les docteurs ont parlé. Et on me dit, ok, tu vas parler et tu vas parler en dernier. Oh my God. Yes, you can. Yes, you can. Bon, je pense que vous allez moins applaudir quand je vais dire que je suis d'accord avec le Covid-19. Je suis d'accord. Parce que si le Covid-19 ne nous donne pas des leçons, je pense qu'il faut même un Covid-20, un Covid-30. Parce que le Covid était pour nous une réelle opportunité de se développer. Une réelle opportunité de se remettre en question. Une réelle opportunité de se dire, si aujourd'hui, on ne peut pas manger du riz parce qu'on ne peut pas l'importer au Cameroun, c'est qu'on n'a pas vraiment faim. Parce que si on a vraiment faim, il y a le riz à Yagua, il y a le riz à Sanchou, il y a le riz à Ndor. Si on a vraiment faim et qu'on voit une personne mourir à côté de nous parce qu'il n'a pas mangé du riz, je pense qu'on ira chercher le riz là où il se trouve. Et si toutes les frontières sont fermées, je suis d'accord avec ça, il faut qu'on ferme même encore. On n'a pas encore bien fermé. On n'a pas encore fermé. Parce que quand les frontières seront vraiment fermées et qu'on ne pourra plus importer les médicaments pour soigner le simple mal de tête, qu'on ne pourra plus importer le savon pour se laver le matin, qu'on ne pourra plus importer le poisson, je pense qu'on ira à la Sanaga, voir si on ne peut pas mettre quelques œufs de poisson là-bas et les laisser grandir. Je pense que... Oui. Nana Konchou tout à l'heure. La clé est dans nos mains. Et cette clé, c'est l'entrepreneuriat. La clé qui va ouvrir la porte du développement, non seulement du Cameroun, ou le développement de l'Afrique, se trouve entre nos mains. Mais nous faisons quoi de cette clé? Nous avons une clé, mais nous ne réussissons pas à ouvrir une porte. C'est que nous sommes vraiment en vos rangs, en vos grades, en vos sommités. Nous sommes stupides. Nous avons une clé. Et je ne demande pas les excuses. Hein. Je ne demande pas les excuses. Nous avons une clé. Nous avons des portes. Mais nous ne les ouvrons pas. Et nous nous asseyons. Nous disons que nous sommes pauvres. Nous voulons être développés. Nous voulons des aides extérieures, des aides au développement. Le développement ne se parachute pas. Le développement ne se parachute pas. Le développement ne peut et ne viendra jamais de l'extérieur. On peut encore passer 50 ans à attendre qu'un simple mélange de soude et d'huile de palme nous donne l'huile de palmiste, qu'un simple mélange de soude et d'huile de palmiste nous donne le savon, mais on va attendre qu'un Indien, qu'un Chinois, qu'un Français, qu'un Guadeloupéen le fasse dans son pays ce mélange de soude et d'huile de palme pour avoir le savon. Et nous sommes fiers d'utiliser ces savons tous les matins pour se laver, pour être propre. Non, nous ne serons jamais propres. Tant que nous n'ouvrons pas la porte de l'entrepreneuriat, on m'a demandé, je dois parler aujourd'hui en ma qualité de vice-présidente et camp d'entrepreneuriat féminin, de parler de l'entrepreneuriat féminin. Mais il ne s'agit pas que de l'entrepreneuriat féminin, il s'agit de l'entrepreneuriat tout court. Que faisons-nous? Qu'avons-nous déjà fait? Et jusqu'où nous voulons aller? Les ressources sont nombreuses, les opportunités sont nombreuses, mais nous ne faisons rien. C'est cette interpellation qui m'amène ici, aujourd'hui, à dire que on peut partir de rien du tout pour fonder une industrie. Ça commence par l'artisanat. Nous négligeons tout ce potentiel artisanat de production que nous avons. Nous pensons à l'industrialisation, alors que, à ce stade, nous n'avons pas les moyens pour cette industrialisation. Nous en parlons depuis 10 ans, le plan d'industrialisation. Il est où? À la télé, au journal, concrètement sur le terrain. Si on ne peut pas avoir ces machines-là, d'ici à 5 ans, d'ici à 10 ans, pourquoi ne pas organiser ce petit producteur qui travaille de façon manuelle? Les jeunes sont là. Plus de 60% de Camerounais sont en âge de travailler manuellement. Il y a ce potentiel. Alors, l'interpellation ici est: sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à consommer made in Cameroun? Sommes-nous prêts à appartenir à ce patriotisme économique qui voudrait qu'on fasse de la préférence nationale? Qu'on regarde d'abord le produit fait localement. On va nous parler de conditionnement, d'emballage. Il ne s'agit pas de ça. Nous savons très bien que le beurre de karité est produit dans le Nord. Et c'est ce beurre de karité qui sert aux grandes multinationales pour fabriquer les produits de cosmétiques. Mais lorsque la maman qui a produit ce beurre de karité à Garoua viendra nous le présenter, on va lui demander des certificats. On va lui demander les normes. On va lui demander si ce produit est de qualité. On va lui exiger qu'elle achète un contenant qui vient de Chine. On va lui exiger qu'elle ait un imprimeur qui vient de... Non. Ne sautons pas, ne brûlons pas les étapes. Faisons comme le Ghana. Faisons comme le Nigeria. Consommons d'abord nos produits. Accordons le bénéfice du doute aux producteurs locaux. Lorsqu'on l'aura fait, il y aura plus de disponibilité de ces produits locaux. Il y aura... Et au fur et à mesure, il y aura la qualité. Parce que les Chinois le font si bien. Fake it until you make it. You cannot make it when you didn't fail. You cannot. Fake it until you make it. Aujourd'hui, on parle de les GAF. On est content, on est fiers. Nous ne représenterons même pas un petit pourcentage. Si nous restons dans cette confrontation qui fait qu'on fait des grands discours, mais concrètement, on ne fait rien. Alors, je ne vais pas trop m'attarder dessus. L'appropriation de nos moyens de production de façon artisanale, d'abord, avant de penser à cette industrialisation qui ne vient pas depuis 10 ans. Une dynamique comme celle-ci pourrait inciter les gens à consommer, à produire plus et à mettre sur le marché des produits locaux. Oui, vous allez dire, nous sommes pauvres. Ok. Nous sommes pauvres aussi bien que les grandes surfaces, comme les Carrefour, sont à leur 5e boutique en moins de 2 ans. Nous sommes si pauvres que tous les étals sont bien achalandés par les produits étrangers que nous achetons avec notre argent. Quand l'argent du Cameroun reste à quel moment? On va dire les employés. Mais nous aussi, nous pouvons faire des grands supermarchés. Nous aussi, nous pouvons faire des grandes productions locales. Non, mais arrêtons. On dit l'entrepreneuriat féminin. Ok. Aucun développement ne se fait sans industrialisation. Et l'industrialisation, c'est de l'apanage du gouvernement, c'est de l'apanage de l'État. Les individus ne peuvent pas s'industrialiser. Les individus feront toujours avec les moyens de bord. Si je suis ici aujourd'hui, pour moi, je considère ça comme une espèce de réussite de mon entrepreneuriat féminin. Moi, je fais dans la cosmétique naturelle, mais je n'ai jamais pensé parler devant le professeur Ebenezer Jean-Ménet. J'ai lu et relu de la médiocrité à l'excellence. Pour moi, être devant vous aujourd'hui, c'est d'abord mon petit excellence ici. Ça montre que j'ai persévéré en utilisant des moyens manuels, en utilisant des petits outils pour mettre sur le marché des produits cosmétiques qui sont vendus à l'étranger, mais de façon informelle. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore établi un plan de partenariat économique gagnant-gagnant. Parce que vous ne pouvez pas vendre des cosmétiques à l'extérieur. On vous demande de vendre le beurre de karité pur. On vous demande de vendre l'huile d'olive pure. On vous demande de vendre l'huile de sésame pure. Le beurre de karité met 25 ans pour produire ses premiers fruits. Alors, si nous vendons toujours cette matière première non transformée, quand est-ce que nous allons utiliser nous-mêmes ces matières premières? Nous avons déjà eu de la technologie. Nous avons arraché cette formation-là. Nous avons arraché ces process qui fait qu'on peut produire des gels de douche de qualité, des produits anti-rides de qualité. Mais quand nos produits vont à l'étranger, il faut une longue liste de certifications. Mais quand ils viennent dans nos champs pour acheter la matière première, les listes disparaissent. Il faut qu'on arrête ça. Il faut arrêter ça. Je m'adresse aux gouvernants qui sont ici et qui m'écoutent. Faites que les partenariats soient gagnants-gagnants. Le marché de l'entrepreneuriat féminin, je parle toujours le mot féminin, parce que nous sommes nombreux, nous sommes des jeunes, nous sommes des vieux. Moi j'ai 45 ans, je ne peux plus me compter parmi les jeunes, mais nous sommes nombreux, nous sommes les jeunes, nous sommes les vieux, nous sommes entrepreneurs. Et quand on dit qu'on est entrepreneur, on nous assimile aux jeunes qui ont raté leur vie. On nous assimile aux jeunes qui n'ont pas pu s'insérer quelque part. Pensons au partenariat gagnant-gagnant, parce que le marché existe. Les communautés africaines qui sont en Europe, aux États-Unis, sont friandes de nos produits, sont friandes des produits made in Cameroun. Faisons et faites des politiques qui permettent que si nous ne pouvons pas vendre localement, nous ferons aussi comme ceux qui viennent s'installer ici, on va aussi s'installer là-bas et on prend aussi cet argent qu'on ramène chez nous. C'est simple, c'est clair, c'est faisable. Pour chuter, je ne peux que dire merci par anticipation à ceux qui changeront leurs habitudes de consommation. Quand vous vous levez le matin, quand vous voulez utiliser votre dentifrice pour rassurez-vous qu'il y a la même marque camerounaise. Si c'est le savon, rassurez-vous qu'il y a un savon qui peut faire le même travail. Même quand vous mangez, si vous ne pouvez pas acheter des produits locaux, il y a le plantain, il y a le macabo. D'ailleurs, même, est-ce que le riz était notre nourriture de base? Comment on fait comme si sans le riz, on ne peut pas vivre? On a les étangs de poissons. On a les étangs de poissons. Moi, j'incite chacun de nous à inculquer l'esprit d'entrepreneuriat à nos jeunes, à nos enfants. C'est de ça qu'il s'agit parce qu'on a pour les accompagner à l'école américaine, dans les grosses voitures. On a pour les accompagner à l'école française, on a pour les accompagner à, je ne sais pas comment on appelle, grande école. Toutes les barrières sont fermées. Chaque pays protège ses locaux et ses nationaux. Ils n'iront nulle part où aller si nous n'avons pas développé un entrepreneuriat qui fait en sorte qu'ils puissent être bien employés chez eux, chez nous. Je ne sais pas où ils iront. Peut-être qu'ils iront sur la lune. Merci. Ce que je vais dire est une contribution. J'ai entendu beaucoup de choses positives. Je vais dire un mot sur l'affirmation répétée par l'auteur du livre qui nous rassemble, selon laquelle le savoir est au commencement de tout développement. Ce n'est pas l'ignorance. Je vais ensuite dire un mot, me réjouir de tout ce que j'ai entendu sur l'entrepreneuriat du directeur général Nana Konchou et surtout de la vice-présidente qui vient de parler en insistant lourdement. Et je la remercie de me faire savoir que de la médiocrité à l'excellence a été pour quelque chose dans sa détermination. Et je vous assure que vous êtes la deuxième il y a longtemps sur mon site internet. Une autre dame, et je vois que les dames sont beaucoup plus sensibles à ça. Une dame m'a avoué que l'insistance sur la créativité dans le déterminisme à l'excellence a été à créer aussi son entreprise. Ce qui veut dire ce n'est pas rien. Je vais dire un mot sur tout ça. Le savoir, l'entrepreneuriat, et puis on voit à quoi s'adressent des livres comme celui d'Essoussé, comme ceux que nous écrivons tous, bien on a écrit, tout le monde a écrit. Nous nous adressons à qui va convertir en action sur le terrain nos propositions, nos analyses, etc. Alors très rapidement un mot sur tout ça. Je commence par rappeler ce qui s'est passé en 2010. 2010 à Douala, l'Organisation africaine de la protection intellectuelle, basée à Yaoundé, a organisé un forum ayant réuni des entrepreneurs. Je n'ai pas assisté moi-même, mais j'ai eu le compte rendu de cette rencontre-là. Il s'agissait de quoi? L'Organisation africaine de la protection industrielle, comme chacun sait, elle gardienne des brevets d'invention. Et ils ont eu l'idée, la très bonne idée, d'inviter les entrepreneurs pour leur dire, écoutez, il y a des brevets d'invention déposés chez nous, qui demandent, des gens qui viennent demander la licence d'exploitation de ces brevets d'invention en matière d'innovation, lancés sur le marché de produits nouveaux. Et Dieu seul sait si le marché de la CEMAC, pour nous qui sommes camerounais, beaucoup de choses sont attendues de l'activité de l'initiative camerounaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je vous ce forum de 2010, c'est que le compte rendu au niveau de nos pays, c'est que, ma foi, personne parmi les entrepreneurs ne s'est présenté, n'a cherché à savoir, compte tenu de son secteur d'ailleurs, quel brevet demandons, quelle licence d'exploitation de brevet il pouvait demander. Le savoir. Pour revenir donc ici à cette idée appuyée sur le savoir. Pourquoi parler de savoir ici? La culture scientifique dans notre contexte est encore défaillante. C'est parce que la culture scientifique n'a pas imprégné tout le monde, n'a pas imprégné les jeunes entrepreneurs. J'entends parler des start-up, etc. Et beaucoup de jeunes entrepreneurs, cette année sont jeunes. Mais ça s'adresse aussi aux entrepreneurs, aux entreprises les plus avancés, qui peuvent mettre de l'argent, qui peuvent passer à l'industrialisation, à la production de ces nouveaux produits qui peuvent envahir le marché africain de la CEMAC, pour commencer par là. Donc le savoir défaillant. Et ça passe par là, le développement. Deuxième grande idée de ce soir, et qui est, comme c'est moi-même le dernier livre que j'ai écrit, je ne suis pas venu ici pour parler de mon livre, enfin je n'en parlerai pas petit, mais c'est moi-même écrit sur, insistant sur l'entreprise. Et comme on est un écho de la vérité à l'excellence, passons à l'acte, qui c'est qui peut faire quoi? L'esprit d'entrepreneuriat, l'entrepreneur est celui-là, est le personnage qui a fait le développement des pays développés. Parce que le libéralisme, la doctrine du libéralisme dit quoi? Liberté d'entreprise. Pourquoi on avait besoin de crier sur la liberté d'entreprise? Parce que de l'autre côté, c'était le développement économique promu par l'État lui-même, les sociétés d'État. Chez nous, on les appelait para-étatiques. Vous savez tout ce que ça a donné. La chose de l'État était considérée comme la chose publique, la chose gratuite. On recrutait à tout de place, on recrutait la famille. Bon, l'expérience socialisante, il faut le redire, a échoué. Et puis bon, le but de Berlin est passé par là. Le libéralisme plus que jamais. De la libre entreprise doit être prise au sérieux. Et je suis content effectivement du côté de la dynamique féminine. Les choses sont en train d'être prises au sérieux. Et vous avez entendu Madame Célestine Abiba. Je suis très content, je n'oublierai pas cette rencontre, parce qu'effectivement, elle dira que l'afro-optimisme est fondé, est justifié. Parce que les ramifications vont dans les sens où il faut. Alors j'ai dit, qui doit convertir? C'est la troisième, je vais le dire là pour laisser la parole à nous. Qui doit convertir en nation, hein, tout ça, les livres, cette encyclopédie qui contient beaucoup de choses, c'est une somme, tout le monde a dit, je ne refais pas la liste. Ce que nous avons écrit, vous m'avez même qu'on a écrit, tout le monde, peut-être le directeur a écrit, voilà. Qui doit convertir? Alors, je vais seulement vous dire que si je devais vivre ce dans ma prochaine vie, parce que je n'ai plus beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses, mais dans ma prochaine vie, s'il fallait continuer, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que le chican fait? Je ferais ceci, que je m'emploierais à rassembler les entrepreneurs, à faire en sorte que dans chaque domaine, dans chaque secteur, les jeunes entrepreneurs se connaissent, se constituent en association. Et c'est à eux qu'il faut parler. En faisant venir les banquiers, les financiers, les gens comme Nana Konchou, qui investissent et qui est lui-même entrepreneur, et justement, faire venir auprès des jeunes entrepreneurs, ceux qui peuvent les financer, qui s'exposent à un problème, et qu'on leur montre que, quand nous disons ici, et je suis d'accord avec cet optimisme, parce qu'effectivement, c'est tout à fait mon tempérament dans ce que j'ai écrit. Les GAFAM dont on entend parler, Google, Apple, Facebook, Microsoft, etc. Tout le monde sait que ces grosses boîtes sont celles-là même qui promeuvent la recherche scientifique. Les États sont là, en Europe, ils sont en train de voir ce qui se passe. Aux États-Unis, ils sont déjà dépassés. Mais Google finance en matière de recherche dans des domaines particuliers près de 80% de la recherche scientifique aujourd'hui. Les grosses entreprises financent. Alors, on ne peut pas dire que l'entreprise, j'attends cela de l'entreprise africaine tout de suite. Mais il faut prendre le chemin. Et c'est ici que l'interpellation en direction des pouvoirs d'État, les pouvoirs d'État en Afrique, a un rôle important. Madame a interpellé les gouvernants, je n'en fais pas partie, je suis très libre pour parler de ce pouvoir d'État. Le pouvoir d'État doit prendre à cœur. Je ne sais pas ce que font les rencontres chicanes le gouvernement. Mais enfin, voilà les problèmes qui devraient être évoqués dans ce cadre de ces rencontres. C'est là que les messages, le gouvernement, le pouvoir d'État devraient avoir une vision des choses. C'est cette vision qui doit se convertir en proposition de dialogue avec le monde des affaires. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure concernant justement l'offre de licence d'exploitation faite par l'OABI. Ah oui, c'est une action, si le gouvernement met sa main là-dedans, et peut donner des résultats. Alors que tout ça, ça n'a rien donné. Les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, jeunes ou pas jeunes, du tout ou moins jeunes, n'ont pas saisi la chose directement, alors que la mobilisation, effectivement, qui peut venir dans cette direction par le pouvoir d'État pourrait aboutir à quelque chose de plus concret. Voilà ce que je voulais dire. C'est comme j'ai dit, c'est une contribution. Je ne pose de question à personne. Merci. Aimé Robert, président médical du Congo, c'est archive. Bon, allez, bonne soirée à tout le monde. Je dois dire quelque chose à l'entendre pour féliciter, non, le terme féliciter ne restitue pas ce que je ressens. Et je crois qu'il faut louer M. Essoussé. Je l'appelle ici. Il faut louer parce que. Beaucoup de propos sont revenus sur le terme encyclopédique. Et il est très surprenant d'ailleurs que quelqu'un qui n'est pas économiste nous offre une pièce comme celle-ci, qui est de l'économie pure, pure. Et il pose des vrais problèmes. Et il parlait souvent de la Sorbonne, je lui dis il est vraiment l'héritier et l'esprit des Diderot, parce que ce sont les Diderot qui ont créé la Sorbonne. Et ce qui manifeste à travers cet ouvrage, c'est que la transmission de ces esprits-là, il a vraiment assumé. Eric, je te félicite. Première chose. Deuxième chose, il faut en passant aussi rappeler dans quelles conditions nous sommes connus. C'était il y a 40 ans. Il y a beaucoup de gens ici qui n'étaient pas encore nés. Il était jeune fonctionnaire, j'étais aussi jeune cadre. Nous tenions souvent au collègue. Parce que il était chef du service de liberté publique au Binat, donc c'était M. Sansu, et moi j'étais le parrain de Pichunjaoui. Alors vraiment, chaque semaine, pour que le journal sorte, il fallait que Eric appose son cachet. Et quand il ne voulait pas l'approcher, il mettait une croix. Et Jaoui et moi, on a décidé à l'époque que chaque fois qu'il met une croix sur un article, nous allons publier cet espace-là en noir, en étant censuré, pour qu'on sache. Alors, le problème a été finalement résolu par le ministre Mengemi lui-même, et finalement, nous sommes devenus les amis que nous sommes aujourd'hui, 40 ans plus tard. Je vous assure que c'est une bénédiction, parce que quand j'entre dans son bureau, on se jette dans les bras de l'Europe. La dernière fois que je suis entré, c'était pour lui demander pourquoi, dans son président encourage, la dédicace était j'ai dédié ces livres à la Turque. Bon, je suis parti de mon téléphonique, mais ton histoire, ça veut dire quoi? Il m'a gardé pendant 2 heures pour vous l'expliquer. Tout à l'heure, vous n'avez droit qu'à 3 minutes, moi j'ai eu droit à 2 heures. Mais je crois que j'en sais plus. Maintenant, pour revenir à quelque chose de sérieux, c'est vraiment étrange et bénéfique à tous. Que pour une fois, l'occasion soit donnée pour que nous posions les vraies questions à la question qui est la question centrale de notre pays, aujourd'hui qui est la question économique. Et c'est bien que le directeur général de l'économie soit là. Parce que c'est la question centrale. Le reste est là, c'est les politiciens, nous autres on a écumé les radios et les plateaux de télévision, on a ceci même d'y aller. Parce que justement, on ne touchait pas du doigt la question centrale. Et la question centrale, Eric a le mérite de la poser et de la mener au débat. Et c'est des débats qui devraient être poursuivis. Maintenant, il y a une critique qui a été évoquée, afro-pessimisme, afro-optimisme, afro-réalisme. J'ai peur, monsieur le directeur général, que l'afro-réalisme ne soit pas comme une manière de mettre le frein sur l'accélérateur, ou alors d'opérer un U-turn. Là où nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre d'être réalistes. Et d'ailleurs, vous êtes économistes, nous les économistes, je pense que j'en suis aussi un, ce qui nous caractérise, c'est que c'est comme Nana qui l'a dit. La question que nous nous posons, c'est le pourquoi pas. On n'essaie pas de dire mais pourquoi les choses sont comme ça, non. On se dit, on rêve les choses, on se dit pourquoi pas. Lorsque Keynes, en 1932, alors que l'Occident était en train de couler complètement et qu'on restait sur des modèles absolument habituels, il est sorti avec une formule, la keynésienne, à savoir, non, la relance, elle peut se faire cette fois-là en donnant un coup d'accélération à la demande. Alors que jusque-là, on était dans ce qu'on appelle le supply side economy. C'est-à-dire que non, c'est l'offre qui doit commander l'économie. C'est la même chose aujourd'hui. La question à laquelle Essoussé nous convie, après avoir ouvert cette perspective, c'est de voir comment nous pouvons l'approfondir. Et cette question-là, elle trouve sa réponse dans un sujet questionnant sur le modèle économique que nous avons à l'heure actuelle dans notre pays ou que nous continuons à défendre. Parce que pendant les 60 dernières années, on a fonctionné sur le modèle d'import-substitution. C'est pour dire que l'objectif de notre appareil productif qui doit être créateur d'emploi était de satisfaire en priorité la demande domestique. Or, ce modèle-là ne peut pas générer suffisamment d'emplois pour absorber tout ce qui arrive sur le marché comme offre de main-d'œuvre de la jeunesse. Il faut plutôt que l'on passe à l'étape supérieure qui est celle de l'insertion dans ce qu'on appelle les chaînes de valeur internationales. C'est-à-dire où il faudrait qu'au Cameroun, on produise en ayant comme marché non plus le marché domestique, mais plutôt le marché global. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut qu'on s'approprie la capacité à attirer sur notre territoire des investissements massifs pour venir produire massivement au Cameroun. Donc utiliser massivement les jeunes et vendre à l'étranger, au monde entier, exactement comme cela se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que quand un Malaisien travaille, ce qui va tirer comme profit de son travail, il va être capté par un produit venant du Cameroun, et à travers lequel, à la fabrication duquel aura participé un jeune au Cameroun et il aura trouvé un emploi. Il faut entrer dans un nouveau modèle économique, l'insertion dans les chaînes de valeur internationales en tenant compte de ce que le Cameroun a comme avantage comparatif. Si nous continuons à rester sur le fameux modèle de l'import-substitution qui nous oriente vers la mise en place des petites unités de production qui utilisent 100 ou 200 personnes, nous n'en sortirons jamais. Il faut qu'on développe, un, la capacité à attirer les investissements, à créer le biotope nécessaire qui peuvent rassurer les investisseurs, mais deux, à développer dans les programmes de formation des jeunes qui savent comment aller vendre le tapioca en Chine. Et que le tapioca vient là-bas, un mec qui est commercé et dans toutes les petites boutiques chinoises en Chine est consommé par les Chinois. Je suis souvent atterré lorsque j'entends des gens reparler toujours de cette histoire d'import-substitution. Non, l'import-substitution certes, parce que si on s'engage dans un mouvement comme celui-là, c'est sûr qu'au passage, on va d'abord satisfaire la demande nationale. Mais il faut penser à aller plus loin, beaucoup plus loin, c'est-à-dire en développant d'autres qualités. Parce qu'aujourd'hui, le directeur général le disait tout à l'heure, nous sommes à un taux d'investissement de l'ordre de, bon, il a parlé de 22%, je crois que tout le monde pas de 18%. Or, pour que nous arrivions à un niveau qui permette que le taux de chômage puisse être neutralisé. Parce qu'il faut savoir que chaque point de croissance représente à peu près 200 000 emplois. Quand on perd 2 points de croissance, c'est 400 000 emplois que l'on a perdu. C'est le chiffre, il faut qu'on comprenne. Alors, comment faire pour faire passer notre taux d'investissement de 18% à 25%? Un, pour au passage, un, renverser la courbe de chômage. Deux, attirer des investisseurs étrangers sur notre territoire. Trois, former nos jeunes pour qu'ils sachent vendre à travers le monde entier ce que nous fabriquons au Cameroun. Nous pouvons le faire. Et de toutes les façons, nous n'avons pas le choix. Nous devons le faire. Je vous raconte une petite anecdote pour finir. La dernière campagne présidentielle, on parle de politique, malheureusement, j'ai discuté avec quelqu'un et nous avons eu à échanger sur cette question de modèle économique. Je lui ai dit non, mais J'entends souvent parler de l'impôt substitution. C'est fini ça. Ça a servi à trouver des emplois aux jeunes quand nous revenions de France à l'époque, il y a 40 ans, on était à peine 500 par an. Maintenant, il se déverse 20 000 jeunes sur le marché. Ça ne va pas. Il faut qu'on décide des zones industrielles où quand l'heure de la... Comment dirais-je ? L'heure du chiffre est finie, on voit arriver 2000 personnes, on voit partir 2000 personnes. Donc il faut qu'on passe à notre modèle, et ce sont en échelle de valeur ajoutée mondiale. Et la personne me dit, c'était un membre du gouvernement, président, tu dis encore on abandonne le modèle. Toi, tu me dis que nous, on a bien fait. J'ai dit, mais non, enfin, tu blagues ou quoi? J'ai dit, non, je ne dis pas que vous l'avez bien fait, mais je dis que c'est un modèle qui doit maintenant évoluer. Il faut qu'on forme les jeunes Camerounais à faire ceci, il faut que le gouvernement rassure les investisseurs parce que, savez-vous, le directeur général de l'économie aura beaucoup de... Je ne sais pas si c'est là. Le dernier investissement industriel au Cameroun ici, de grande taille, il faut peut-être aller beaucoup d'années en arrière hein, pour l'identifier. Il n'y a pas d'investissement direct étranger en quantité suffisante qui atterrisse dans notre pays. J'ai passé 8 ans à Wall Street, 8 ans. Et pendant ces 8 ans, chaque jour, je vois sur les écrans des capitaux gambadés à travers le monde. Parce qu'ils en ont, l'argent, les blancs. Ils cherchent où est-ce qu'ils peuvent le faire atterrir. Et je vous assure que parfois, ce n'est pas une image. J'avais les larmes aux yeux. Allez, au bout d'un mois, je vois que pendant tout ce mois ou 2 mois, un de ces dollars-là ne s'était trompé de route et s'était venu tomber au Cameroun. C'est des réalités. Et il faut qu'aujourd'hui, nous ayons le courage de les regarder en face. Et on en a vu, on ce que disait le professeur tout à l'heure, c'est la responsabilité de l'État de prendre cette orientation-là. C'est à l'État qu'il devait prendre cette orientation. Nous avons tout. Nous avons des jeunes, nous avons la connaissance. Le reste est maintenant une question d'orientation politique. Et comme ça, l'afro-optimisme de mon ami Essoussé pourrait prendre corps. Monsieur et dames, je vous remercie.